Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous, ici Youngblood, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Mass Effect 1. Alors, on a fait toutes les quêtes secondaires qu'on avait dans notre journal. Voilà, du coup là c'est que des consommables. Voilà. Là c'est des quêtes qu'il faut remplir, le fan, tout ça c'est à la citadelle qu'il faut aller. Mais bon, pour l'instant on va aller là, à Noveria. Allez, Noveria, on va y aller. Voilà. Alors, Noveria. Bim. Ah bah, il n'y a qu'une seule planète. Voilà. Ça va être rapide. Et Noveria. Ok, tout s'appelle Noveria, c'est parfait. Atterrir. Ah, il commence un peu à faire froid. Contrôle, ici le SSV Normandie demandant vecteur et autorisation d'appontage. Normandie, votre arrivée n'était pas programmée. Notre système de défense est braqué sur vous. Déclinez vos intentions. Ordre de la citadelle, nous avons un spectre à bord. Autorisation d'atterrissage accordée, Normandie. Votre identité sera vérifiée à quai. Si nous ne pouvons obtenir confirmation, votre vaisseau sera saisi. Des types sympas. Je crois que je vais prendre ma prochaine permissie, moi. Ok. Alors, on va descendre. Alors, on va prendre qui ? Je sais pas qui est-ce qu'on va prendre. Non, c'est pas par là. Ouais, c'est par là. Alors, on va prendre Garus. Et je me tâte à prendre, je sais pas, elle peut-être. Ou Ashley. J'aime bien Ashley aussi. Quoique elle a... Non, on va prendre elle. Je l'aime bien parce qu'elle a, c'est elle qui a tous les pouvoirs. C'est bien d'avoir toujours un mage dans son équipe. Compensation du différentiel de pression intérieur-extérieur. Livre de bord. Le commandant a quitté le vaisseau. L'officier Presley prend le commandement. Alors j'ai vu qu'il n'était pas si long que ça ce jeu, hein. Ils disent 15 heures en ligne droite, du coup ouais, je pense une vingtaine, trentaine d'heures, on aura fini. Il y a un problème, officier ? Dans votre intérêt ? J'espère que non. Votre arrivée est imprévue. Il me faut vos autorisations. Je suis du conseil. Je suis un spectre. Mon nom est Shepard. C'est des conneries, chef. Des conneries ! Nous allons demander confirmation. Je dois également vous prévenir que les armes à feu ne sont pas autorisées sur Noveria. Sergent Sterling, prenez leurs armes. L'autorité de la citadelle supplante la vôtre. Ouais, je garde mon arme. Personne ne me prendra mon arme. On joue ! Ah ouais. Nous sommes habilités à employer la force. Bah, pas de soucis, moi je vous bute, jusqu'à hein. Jusqu'à 3 pour déposer vos armes. 1, 2, 3. Capitaine Matsuo, baissez vos armes ! Alors, fais-moi la maligne maintenant, hein. Leur identité est confirmée. Les spectres sont autorisés à porter des armes ici, capitaine. Vous pouvez y aller, spectre. J'espère que le reste de votre visite sera plus calme. Palacini-san vous attend à l'étage. Tenez-vous tranquille. C'est bien. Alors, c'est par là. Je suis Gianna Parassini, l'assistante de l'administrateur Anoleis. Veuillez nous excuser pour l'incident sur le quai. J'apprécie votre aide. C'est normal. La responsable de la sécurité faisait juste son travail, vous comprenez? Je suis entre autres chargée de l'orientation des nouveaux arrivants. Avez-vous des questions?
Où sont les guettes ? Vous n'auriez pas vu des individus étranges passer ici récemment ? Étranges ? Oui, une matriarche Asari est passée il y a quelques jours, Dame Benezia. Ah. Elle est ici ? Je dois lui parler. Je peux lui parler ? Benezia s'est rendue au complexe typique numéro 15 il y a quelques temps. A priori, elle y est toujours. Comment y aller ? Vous pouvez m'indiquer comment aller là-bas ? Vous devez demander à l'administrateur Anoléis l'autorisation de quitter ce port. Où se trouve l'administrateur ? Son bureau est au niveau principal, à gauche en sortant de l'ascenseur. Votre sécurité est très importante pour un si petit port. Le directoire fait tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les intérêts de nos clients. Bon, j'ai Je une dois enquête. Être en mesure de mener mon enquête librement. Voilà. Faites attention, le directoire n'est pas à prendre à la légère sur le plan juridique. Il vous faudrait une avocate à Sari si vous faisiez un procès. Ok. C'est noté. On peut y aller maintenant. Bien sûr. Si vous avez besoin d'aide, vous me trouverez au bureau de l'administrateur. Elle ? Ici ? Incroyable. J'imagine que vous voulez me parler de ma mère, Shepard. Ouais, du coup, c'était bien ça. Je peux vous avons déjà parlé d'elle auparavant. Mais les loyautés peuvent changer selon la situation. Si c'était elle ou moi, qui élimineriez-vous ? Je vous l'ai dit et je vous le répète. Ces actes sont condamnables. Si vous préférez me laisser à bord du Normandie, qu'il en soit ainsi. Mais j'aimerais la voir. Je pourrais peut-être la convaincre de venir en paix. On peut pas toujours tenter, retourner au vaisseau. Venez avec nous. Allez, venez avec nous. J'ai confiance en vous, Lyra. Allons-y. Merci, Shepard. Cela représente beaucoup pour moi. Pas de soucis. Alors. Du coup, il m'a dit d'aller à l'étage. Bienvenue à Port Anshan, le plus grand site indépendant de recherche et de développement de toute la galaxie. Dans votre propre intérêt, et afin de protéger la vie privée des autres résidents, veuillez obéir à toute instruction émise par notre personnel de sécurité. N'hésitez pas à contacter notre équipe administrative qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci de votre visite et bon séjour. Ah puis là c'est une petite île carrément. Garde ERC. Bien sûr il n'y a pas de panneau. C'est peut-être... Non c'est pas là. On doit aller où ? Pourquoi il y a... Ah là ! Ok, du coup c'est bien tout au fond. Voilà, ça doit être par là. Attends, est-ce que je me suis pas trompé ? Ah non, pas du tout, c'est pas par là. Ah, c'est là, je crois. Oui. Ah, voilà, c'est elle, ouais. Je peux vous aider ? J'aimerais parler à Anoléis. Un moment, s'il vous plaît. Monsieur Anoléis ? Oui, quoi ? Quoi ? Le commandant Shepard demande à vous voir, monsieur. Très bien, faites-le entrer. Vous ne m'en voudrez pas si je reste assis.
Je n'ai pas de temps à perdre avec des réfugiés de cette plaie urbaine qu'on appelle la Terre. Je suis un spectre. Sachez que je suis ici en tant que spectre, pas en tant qu'humain. N'ayez crainte, je ne risque pas de l'oublier. Cette entrevue n'est pas officielle. Je coopérerai dans les limites fixées par le directoire. Si les sociétés s'installent ici, c'est pour échapper à la loi galactique. C'est l'axis mélangeant. Vous êtes en train de me dire que vous n'avez aucun protocole de sécurité. Ne soyez pas ridicule. Vous pensez qu'une société à but lucratif ne prendrait aucune précaution contre les dégâts organiques et matériels ? Ici, ce sont les chefs de projet qui ont la haute main, pas ces fouineurs de politiciens. J'ai entendu dire qu'une certaine matriarche Benezia était ici. Oui, elle est arrivée il y a quelques jours, avec une escorte personnelle et du matériel. Elle est au pic numéro 15. Ok. Je dois la voir. Il faut que je la voie immédiatement. Malheureusement, c'est impossible. Le pic numéro 15 est un complexe privé dans la chaîne des Skadis. De plus, le blizzard s'est abattu sur le secteur. Les navettes sont clouées au sol et tout accès en surface a été coupé. Que savez-vous sur le matériel qu'elle a apporté ? Volumineux, lourd et scellé. Il est passé au détecteur d'armes. Le reste ne nous regarde pas. Que voulez-vous dire par escorte personnelle ? C'est clair, non ? Des gardes du corps qui assurent la sécurité de sa personne. Un commando Asari en particulier. Un commando ? Vous ne trouvez pas ça étrange ? Ils étaient tout à fait en règle. Je n'avais aucune raison de retenir Dame Benezia pour ça. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici ? Même si je le savais, je ne pourrais pas vous le dire. Elle est venue en tant que mandataire de l'agent Saren. Sa mandataire, vous dites ? Tout à fait. Saren est un actionnaire majoritaire de Twin Helix. Dame Benezia est autorisée à agir en son nom. Elle est chargée d'une mission pour Twin Helix. La société a sollicité l'attention de Saren au pic numéro 15. J'ai d'autres questions à vous poser. Chaque minute de mon temps coûte 12 crédits à la société. Je vous enverrai la facture. Vous êtes en relation avec Saren ? Je vous l'ai déjà expliqué, non ? C'est un des investisseurs principaux de Twin Helix, l'une des sociétés qui finance Noveria. Est-ce que Twin Helix développe des armes pour lui ? C'est possible, étant donné son activité. Mais ce que nos clients font dans leur labo ne nous regarde pas. Plus de questions pour le moment. Ciao. Bien. On se casse. J'ai reçu une dizaine de messages urgents pendant que vous me teniez la jambe. Ok. Vous ne connaissez pas le monde des corporations, n'est-ce pas, commandant ? La force brute ne sert à rien face à la bureaucratie. On dirait bien. Il va falloir changer de méthode. Parlez à Lorik Keane. Vous devriez pouvoir le trouver au bar de l'hôtel. Je ne peux pas vous en dire plus. Monsieur Anoleis risquerait de nous entendre. Ok. Comme vous voudrez. Alors. Il est où le truc ? Ah bah il y a le Mako là. Putain mais où est-ce que je dois aller ? Le bar. Boutique. C'est là, je crois. Vers l'hôtel. Ah oui, c'est elle. Alors, elle a 3 points à mettre. Bon, on va déjà mettre 1 dans singularité. Voilà. Par contre, toi, tu peux pas changer. Voilà, enlève le casque. Voilà, c'est mieux. Ah, je pense que c'est là qu'il faut aller, mais je suis pas sûr. Ah bah il est là. Excusez-moi, j'aimerais vous parler.
Ah ouais ? Vous voyez cet humain au bar de l'hôtel ? C'est un représentant de Twin Helix. Son nom est Raphaël Vargas. Ouais. Je vous demande d'aller lui parler. Ok, on se connaît ? Vous savez qui je suis ? Comme tout le monde ici, tête de marbre. C'est d'ailleurs pour ça que je fais appel à vous. Vargas ne se méfiera pas. Il pensera que vous venez fouiller le linge sale de sa société sans se douter de votre véritable motif. Il est juste là. Pourquoi vous n'y allez pas vous-même ? J'ai déjà essayé, vous pensez bien, mais j'ai échoué. Il a compris que je le menais en bateau. Je ne connais rien sur Twin Helix. Que voulez-vous que je lui dise ? Je représente le conseil municipal d'Aramali sur Tessia. Notre ville est célèbre pour ses fabricants d'amplis biotiques. Quel rapport avec Twin Helix ? Vous n'êtes pas en concurrence ? Mais Twin Helix a partie liée avec la biotique. Selon les rumeurs, leur branche novérienne a fait entrer clandestinement des biotiques Asari. Et pas des moindres, des guerrières d'élite. Nous voulons nous assurer qu'ils ne vont pas empiéter sur nos plates-bandes. Vous vous ferez passer pour un acheteur mandaté par les Spectres ou l'Alliance. Faites mine de vous intéresser à leur programme d'amélioration militaire. Mais votre véritable objectif sera d'accaparer son attention. Je vais vous donner un appareil qui infiltrera son réseau wireless. Il téléchargera divers virus troyens qui se propageront sur l'intranet de Twin Helix dès qu'il se connectera. Rien, je gagnerai quoi dans l'affaire ? De l'argent, bien sûr. J'ai un intérêt financier là-dedans. Et donc, vous aussi, 500 crédits. Allez, je marche. Par curiosité, je marche. Parfait. Voici le mouchard. Il émettra un son lorsqu'il aura terminé. J'ai tout un dossier sur Vargas. Si vous le souhaitez, je peux vous en faire une analyse comportementale. Vas-y. Parlez-moi de Vargas. Il ne tolère pas qu'on lui fasse perdre son temps. J'ai tenté de le prendre à contre-pied en changeant de sujet. Il en a conclu que je n'étais pas intéressée par les services de sa société. Lol. J'ai remarqué qu'il a un tic. Lorsqu'un sujet le met mal à l'aise, il a tendance à se frotter la nuque. Okay. Si vous voyez faire ça, insistez. Vous le déstabiliserez peut-être suffisamment pour qu'il continue à parler. Parlez-moi de Vargas. Il ne tolère pas. Ah mais ça... Si vous voyez faire ça, insistez. J'attends de vos nouvelles. On va aller voir Vargas. Quel genre d'offre ils vous ont fait ? Une bonne. Je ne suis pas censée parler chiffres. Ah, ils font leurs offres en les notant. Je peux vous aider ? Monsieur Vargas, commandant Shepard, Spectre. J'ai cru comprendre que vous faisiez partie de Twin Helix. Effectivement. Raphaël Vargas, division commerciale. Nos services vous intéressent ? C'est possible. Tout dépend de l'offre que vous me ferez. Je croyais que la Citadelle sous-traitait son programme génétique avec une société galarienne. Vous savez sans doute que notre budget est revu chaque année. Or, un contrat ne vaut que s'il surclasse la concurrence. Ah, désolé. J'ai eu un moment d'hésitation. C'est la première fois que j'entends parler d'un gouvernement qui a le sens des affaires. Tout d'abord, la mise en garde standard. Il est impossible de garantir le non-rejet d'une amélioration. Nous pouvons faire pencher la balance, mais chaque brin d'ADN est unique. Nous avons mis au point des procédés brevetés qui accélèrent de 8% la réponse surrénale, de 12% la coagulation, et réduisent sensiblement la dégénérescence musculaire en micro-pesanteur. Pourquoi je peux pas cliquer sur ça ne suffit pas ? Je n'ai jamais entendu parler d'un procédé permettant d'améliorer la résistance à la micro-pesanteur. C'est une grande première, oui. Il s'agit en fait d'une simulation d'impesanteur induite par l'élément zéro. Il faudra attendre la fin des tests pour avoir des résultats quantifiables, mais nous tablons sur 7 à 11% d'amélioration. Je peux vous faire ces améliorations à 30 000 crédits pièces. Si vous faites une commande en gros, je peux vous proposer un pack multisensoriel, 18 dixièmes à chaque œil et de 12 à 22 000 Hz de perception auditive garantie. Comment distribuer les améliorations ? Les rétrovirus recombinants sont longs à agir. C'est vrai. Toute modification d'ADN nécessite une période d'assimilation. Les cellules cutanées se remplacent en 2 semaines. Mais il faut plus d'un an pour le foie. Et pour le squelette, une décennie. Pour les unités de première ligne, on peut accélérer le processus par exsanguinotransfusion, suivi d'injections anti-rejet. Mais même ainsi, il ne faut pas espérer de résultats avant 6 mois. Pour être franc, j'ai été surpris que vous veniez parler affaires. Il y a beaucoup de projets de développement sur Noveria, dont certains en marge de la légalité. Et pourquoi je peux pas cliquer sur ça ? C'est votre cas ? Et certains de ces projets en marge sont financés par Twin Helix ? Votre nom ne sera cité nulle part. Bien sûr que non, voyons.
Notre société n'a absolument rien à se reprocher. Je peux vous assurer que toutes les opérations de Twin Helix sur Noveria ont été visées et approuvées. Veuillez m'excuser, je dois prendre cet appel. Merci pour cet entretien. Je vous en prie, commandant Shepard. En espérant recevoir bientôt une réponse de la Citadelle. Bah, du coup, je sais pas ce que j'ai bien fait ou pas. Alors ? Votre joujou a fonctionné. Parfait. Je vais transférer 500 crédits sur votre compte. C'est tout ? Seulement. Je m'attendais à plus de générosité, vu que j'étais votre seul recours. Et je dis 500 ? Je voulais dire 750. Belle. Au revoir, Spectre. Ok, on est parti. Bonjour, asseyez-vous, prenez un verre. Que puis-je faire pour vous ? Vous êtes Lorik Kin ? On m'a dit que vous pouviez peut-être m'aider. Vous êtes le Spectre qui vient d'arriver, n'est-ce pas ? En quoi un vieux Turien comme moi peut-il vous aider ? J'essaie de trouver un moyen d'accéder au garage. Je dois prendre la route. Alors il va vous falloir un pass, j'en ai peur. Vous voyez, je suis le gérant de Synthetic Insights. Plus pour très longtemps, je le crains. Monsieur Anoleis a fermé mes bureaux. Il prétend que je suis corrompu et a ouvert une enquête. L'administrateur est quelqu'un de surprenant. Il s'est enrichi très rapidement depuis qu'il supervise directement les locations. En quoi ça va m'aider à accéder au garage ? Pour tout vous dire, l'administrateur demande des pots de vin aux sociétés de Noveria. J'ai obtenu des preuves des malversations d'Anoleis. Ces hommes de main saccagent mes locaux pour les trouver. J'imagine que ce que vous cherchez n'est pas dans ce port. Anoleis ne vous laissera pas circuler librement. Si vous récupérez les preuves dans mon bureau, je vous donnerai le pass du garage et de l'argent. Ok. Vous avez un plan ? Oui, cependant il y a... Quelle est cette charmante expression humaine ? Un tic ? Un hic. Vous devrez peut-être avoir recours à la violence face aux hommes d'Anoleis. Il utilise les agents de sécurité d'Anshan pour fouiller mes bureaux. Il les paie en dessous de table. Mademoiselle Matsuo n'est pas au courant des activités illégales de ces hommes. S'ils sont payés en dessous de table, ce sont des mercenaires. Je peux tuer des mercenaires. Parfait. Voici le pass de nos bureaux. Il permet d'activer l'ascenseur. Les preuves sont dans mon bureau, sur l'ordinateur. Ce DSO contient une clé cryptée pour y accéder. Insérez-le dans le lecteur, et il s'exécutera automatiquement. Et essayez d'éviter les taches de sang sur la moquette autant que possible. Lol. Non, c'est là ? Non. Vers l'hôtel. De toute façon, il n'y a que cet ascenseur-là. Ah voilà, c'est là.
Ok, parfait, attention. On ne bouge plus. Sécurité d'Anshan. Ce bureau est sous scellé. Que se passe-t-il ? Que faites-vous dans ces bureaux ? C'est un ordre de l'administrateur. Lori Kin fait l'objet d'une enquête. Anolis vous paie pour fouiller cet endroit. Est-ce que le capitaine Matsuo est au courant de votre présence ? Hé, hey, ce n'est pas moi qui veux la tête de Kin. Anolis a vraiment une dent contre ce type. Écoutez, je vous propose de faire comme si on ne s'était pas vu et de notre côté voilà, on fait pareil. Parfait. Ah oui, mais... Ah mais eux, ils veulent pas faire semblant, eux. Je pensais que j'avais réussi le truc. Voilà. Alors, bah c'est là, j'imagine. Là, c'est où ? Bah merde alors. Là, c'est peut-être en haut. On va essayer de monter à l'étage. C'est du coup par coup cette arme. Voilà, c'est là. Merde. Ah. Oh. Mais non. Oh! Je suis de la merde. Mais. Je suis débile ou quoi? Voilà. Ok, on est parti. Voilà, on a téléchargé les preuves. Oh oh. C'est des ennemis ça? Pourquoi je peux pas les viser? Ah non, ok. Je crois que vous ne devriez pas être ici, Shepard. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître, mademoiselle... Tiens, vous commencez à apprendre le respect. Je suis le sergent Kyra Sterling. Je travaille pour le RCS. Anolis vous virerait de la planète pour ce que vous avez fait ici. Pas moi. Vous savez ce qu'on fait aux tueurs de flics sur ma planète ? Vos hommes sont véreux, sergent. Vous n'êtes pas en service et la corruption est illégale. Je ne voulais pas en arriver là. Ce sont eux qui ont tiré les premiers. Moi, je n'ai pas besoin de flingue pour ok. Ok. Alors, vas-y, on va faire ça. On va faire ça là. Toi, tu vas faire ça.
Putain, c'est vachement efficace, hein, le... La magie, c'est vachement efficace. Ah merde, c'est pas par là. Je l'ai OS. Voilà. Alors... non, il faut aller par là-bas. Ah merde. Commandant, on raconte qu'il y a eu du grabuge dans les bureaux de Synthetic Insights. Êtes-vous au courant de quelque chose? Ne tournez pas autour du pot. Qu'est-ce que vous voulez? Pas ici, Spectre. Retrouvez-moi à l'hôtel pour prendre un verre avant de parler à Keen. Je vous attends là-bas. Avant d'aller retrouver Keen. Attends, mais Keen, c'est qui? Ok. Merde, c'est pas par là. L'hôtel. Ah putain, c'était là. Putain, mais on se perd vraiment. Là, c'est vraiment à l'ancienne, hein, ce système. Proposer de le trahir. Je me présente une deuxième fois. Parasini des affaires internes de Noveria. Que voulez-vous? Le directoire sait qu'Anoléis est corrompu. Ça fait 6 mois que je suis ici en sous-marin. Ah ok. Je voudrais que vous persuadiez Keen de témoigner devant le directoire. Avec son témoignage, cette planète pourrait sortir du marasme. Je croyais que la corruption était une institution sur Noveria. La règle ici, c'est de ne pas faire de vagues. L'intérêt personnel est toléré tant qu'il n'entre pas en conflit avec les affaires. Or, Anoléis fait fuir les clients. Ok. Il me faut le pass. J'ai besoin du pass de Keen pour accéder au garage et poursuivre ma mission. Si vous m'aidez, vous aurez tout ce que vous voulez. Ok. Échange de bons procédés. Anoléis est véreux, aucun doute. On devrait peut-être aider Parasini. Écoutez, Shepard, ça ne me plaît pas plus qu'à vous. Les spectres agissent vite et contournent la loi. Ce n'est pas bon pour les affaires. Très bien. Je vais parler à Keen pour essayer de me convaincre. Merci. Vous savez où je travaille. Venez me voir quand vous saurez s'il accepte de coopérer. Ok. Ravi de vous voir, Spectre. Des nouvelles au sujet de notre petite affaire? Hmm.
J'ai fait le boulot, mais un agent des affaires internes m'a contacté. Elle veut que vous témoigniez contre Anoleis. Maintenant que vous avez ce qui m'appartient, vous voulez me dire comment m'en servir ? Je ne tiens pas à me donner en public. Tout le monde dans cette station subit le racket d'Anoleis. Vous deviendriez un héros. Mais mon employeur est tributaire de la bonne volonté du directoire. Un mot d'eux, et nous pouvons plier bagage. Le directoire mène une enquête sur Anoleis. Ils en auront plus après lui qu'après vous. Très bien. Il est évident que je n'arriverai pas à vous convaincre. Très bien, je vais témoigner. Ah bah. Prenez vos dispositions avec votre contact. J'attendrai ici. Parfait. Normalement, il est là-bas. Hein. Merde. Ouais. Dites-moi, Spectre, vous avez réfléchi à ma proposition ? Ça n'a pas été facile, mais Keen a accepté de témoigner. Vous m'ôtez une sacrée épine du pied. Je vais prendre les preuves avec moi pour des raisons de sûreté. Je ne pensais pas que vous m'aideriez. Vous êtes un Spectre. Mais il doit y avoir des gens bien parmi vous. Je vais vous laisser à votre travail. Pas si vite, Spectre. Vous vouliez accéder au garage pour vous rendre au pic numéro 15, non ? Ouais. Pendant que vous enquêtiez sur Keen, je vous ai déniché un pass. Faites attention là-haut. Je dois procéder à une arrestation. Ouais, ça va bien, et toi ? J'aurais aimé vous changer pour mettre quelque chose de plus confortable. Je déteste les jupes. C'est un scandale ! Je ferai en sorte que vous ne puissiez plus travailler dans ce secteur ! Oui, c'est ça, du fond de votre cellule. Vous, Shepard, je vous ordonne de mettre cette carce en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence, de grâce. Profitez-en. Un de ces jours, commandant. Je vous dois une bière. Content d'apprendre, yes, au top, ça. Ah ouais, tu regardes des streams de poker. Et c'est un vieux jeu de 2007, mon gars. Bon, il a été remaster, mais bon. Ouais, ça fait plusieurs mois que je me forme. J'ai assez bon niveau maintenant, mais je fais pas. Ah, ok. T'as une belle résolution. À 1080p. Bon, je vais aller où là? Et toi, tu veux pas stream? Si un jour tu fais des tournois de poker. Autant pour moi, je voulais te faire... Ouais, mais pas de soucis, hein. L'accès au garage nécessite une autorisation. J'ai une autorisation. Excusez-moi. Oui, tout est en règle. Ah oui, faites effectivement. Attention sur la route. S'il y a de la triche. C'est exécrable dans la vallée d'Alutsk. Effectivement, on peut voir, on voit ta main, quoi. Oh non, pas eux. C'est sûr.
sûrement ce qu'il y avait dans les conteneurs de la matriarche. Qu'est-ce que c'est que ça ? Parfait. Déployez-vous et sécurisez le périmètre. Personne ne sort ni ne rentre. T'as tout compris après, j'ai pas le niveau pour être parano. Ouais, c'est clair. Mais bon... Si ça ramène des vues, hein, ça ramène de l'argent en plus. Mais du coup, tu vas faire du poker en ligne ou du poker dans un casino ? Hop, attention. Il y a des ennemis. Oh putain. Voilà. Voilà, nickel. C'est bon. Il est là. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Oh, une armure lourde. Convertir en légère tout prendre. Après l'armure lourde. Moi je crois qu'on a pris au moins deux niveaux là. C'est pas mal, c'est pas mal. Je
Voilà, nickel. Les a explosés. Il dit que devant il y a des ennemis. Ah là, oui, oui. Voilà, c'est bon, on l'a eu. Presque, attention. Alors là, il y a des ennemis. Est-ce qu'on les voit? Ah là! Oh putain. Est-ce que je peux l'avoir de là? Ah oui, putain, on peut l'avoir de super loin. Oh, on peut l'avoir de super loin. Petit boost. Il est où? Ah là-haut. Foiré. Voilà, nickel. Merde. Oh non, c'est bon. Pas tombé. On va pas tomber. Bon, on est bientôt arrivé, je pense. Et derrière la porte, il y a des ennemis là. On va se préparer. Attention. Coup. Coucou les gars. Oh punaise. Aïe aïe aïe. Ok, moins un. Ah là. Ok, c'est bon. Ok. Putain, elle est puissante mon arme. Oh, il s'est réveillé l'enfoiré. Les Krogan. Alerte utilisateur. Okay. Tous les complexes du pic numéro 15 ont subi d'importants dégâts. Matériaux nocifs présents dans le complexe. Interface intelligence virtuelle déconnectée. Va falloir réactiver les réacteurs. Merde. Aïe. Non. Ah! Merde, merde, merde. On recommence. Ah, j'étais presque. Voilà. Fusil d'assaut, c'est pas mal. Fusil de précision, ok. Et encore un niveau. Allez, on a au moins augmenté de 3 niveaux, là. On a combien? 6 niveaux à mettre. Oh, punaise. Alors, on va mettre dans soldat d'élite.
Voilà, aptitude physique. Formation d'assaut. Encore soldat. Soldat élite, ça fait quoi? Augmente les dégâts avec toutes les armes. Ah, mais oui, c'est ça. Ok. Ok, bah go. Vas-y, on va tout mettre là-dedans. Elle a 3 points. La déchirure, voilà. On va mettre premier secours. Et lui, il a 3 points. Formation d'assaut. Décryptage. Augmente les... Ouais, non, ça c'est les mines. Premier secours. Allez. Voilà, on est pas mal. On continue. Pourquoi les tourelles sont tournées dans le... J'ai l'impression qu'une fois entré là-dedans, c'est difficile d'en sortir. Ouais. Oula, il a l'air dur. C'est bon. Par où on doit aller là? Ah, par là. Ascenseur. Voilà. Il y a des ennemis là. Coucou les gars. Putain, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il regagne? Il y a une cinématique. Ok. Qu'est-ce que c'était? Un attaque? Du vent? Cet endroit est dans un sale état. Oh, ça sent le boss. Ça sent le boss. Oh putain, il y a encore plein d'ennemis. Ah non, merde! Putain! C'est quoi ça? Espèce de sauterelle. Merde. Je vais passer à l'admiration Tartokovitsk. Trop, c'est trop. Je n'utiliserai plus jamais ce transporteur. Nous avons perdu 3 cargaisons dans un système macédoine. En un mois, ils sont trop stupides. Autrement, si seulement Grégor était encore là. Vous savez ce que j'ai besoin, aucun mercenaire n'oserait lui barrer la route. Oh, il est là. Ils sont ces créatures. La xénobiologie n'est pas mon fort. Nous trouverons peut-être une réponse dans les laboratoires. Par là. Bon, c'était pas un boss, ça va. Bonne soirée, ce sera cool. À l'occasion de faire un jeu de société. De quoi ça fait longtemps. Ouais, effectivement. Bonne soirée à toi. Merci. Merci pour tes commentaires. Ça fait plaisir. Et ouais, hein, c'est quand tu veux, hein, pour une soirée jeu. Avec ton frère. Oh punaise. Sorry. Ah mais non, mais c'est de là d'où je viens, je suis con. Attendez. Je viens de là? Ah non, 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 je viens pas de là. Ouais. C'est bon. C'est par là. Désolé, j'ai coupé, je suis revenu. MDR. Ah oui, je disais juste merci à toi pour tes commentaires, ça fait plaisir, ouais. Et il faudrait qu'on se capte un de ces quatre, ouais. Effectivement. Thank you.
orientation de secours. Erreur de lancement. Interface de l'intelligence virtuelle déconnectée. Redémarrage manuel nécessaire. Ça roule, bonne game. Ok, bonne soirée, merci. Mais non, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Faut sûrement faire un truc dans le noyau. Ah voilà, accès. Sans utiliser Omnigel, le noyau du JV est apparemment inopérant. Vous pouvez tenter de reconfigurer manuellement la banque. Ok, vas-y. Ah non, on va faire manuellement. Oh merde, qu'est-ce qu'il faut faire? Nommer le numéro L, un dans le jeu, transférer la pile modulaire au noyau 2 ou 3 pour réactiver, appuyer sur A pour quitter. J'ai rien compris. Ok. Attends, j'ai rien compris. Ok. Ok. Voilà. Attends, j'ai rien compris à ce que je dois faire là. Attends. Noyau mémoire 1 endommagé. Transférer la pile modulaire au noyau 2 ou 3 pour réactiver. Ah, ok, on doit mettre les noyaux passe dans le premier. Ok, on va faire ça. Ah ouais, mais je peux pas aller. Pas tout, hein. Voilà. Ok. 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 Si je fais ça. Attends. Je comprends pas tout, hein. Mais pourquoi je peux pas. Ok. Ah bah voilà, et là c'est bon. Voilà. Ah non, putain mais. Bon, on va prendre les omnigels. Allez, sans omnigels, toute cette direction. Omnigel insuffisant. Ah bah voilà, bah, on est obligé de le faire, ok. Noyau numéro 1 endommagé. Transférer la pile modulaire au noyau 2 ou 3 pour réactiver, appuyer. Ah non, on doit tout mettre une pile dans un truc. Ok. Mais je comprends pas, putain. Ok. Ok. Voilà. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. Pas l'énigme. Et pourquoi je peux pas les transférer? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi le Y? Je peux aller sur le B
Le B, je peux aller sur le Y, mais pourquoi le deuxième B, je peux pas aller sur le Y? Mais je peux aller sur le X. Ou bien il faut qu'il soit rattaché à chaque fois. Ah, mais si je commence par le... Non. Attends. Je fais ça. Non, ça marche pas. Voilà, ça je peux faire. Ah. Ah, ok, j'ai compris. Et maintenant ça. Voilà. Oh, punaise. En fait, il fallait du plus gros au plus petit. C'était ça le truc. Vous semblez vouloir remettre le complexe en état de marche. Puis-je vous aider? Tu es livré de la station. L'intelligence virtuelle qui gère cette station, c'est bien ça. Mes concepteurs m'ont appelé Mira. Puis-je connaître votre nom? Commandant Shepard, je travaille pour le ministère des Affaires spéciales et tactiques de reconnaissance. Veuillez patienter. Autorisation du Conseil confirmée. Vous disposez d'un accès sécurisé à l'ensemble des systèmes. La consultation de données confidentielles requiert un accès privilégié exclusivement réservé aux membres de Twin Helix. Je suis prête à répondre à vos questions. Vous pouvez me consulter depuis n'importe quelle borne holographique du pic numéro 15. Où se trouve la matriarche Benezia? Dame Benezia a pris le téléphérique pour se rendre aux laboratoires annexes de la station de la faille. Ok. Alerte utilisateur. Le téléphérique est actuellement inopérant. Quelle est la situation ici? Veuillez patienter. Diagnostic en cours. Échec critique. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Échec critique. Ligne terrestre déconnectée. Téléphérique inutilisable. Fin du rapport. Avez-vous besoin d'informations complémentaires? Parle-moi des lignes terrestres. Pourquoi sont-elles désactivées? Les lignes terrestres relient les ordinateurs de la station centrale à ceux des complexes auxiliaires. Le personnel peut ainsi accéder à mes bases de données sans avoir à quitter son lieu de travail. Lors de la mise en place des protocoles d'urgence, le câblage des laboratoires a été automatiquement éjecté. Tu sais pourquoi le réacteur a été désactivé? Désolé, je n'étais pas en ligne à ce moment-là. Une coupure du réacteur peut avoir plusieurs causes, parmi lesquelles un risque de brèche du noyau ou un défaut d'isolation majeur des laboratoires. Le guide des mesures d'urgence estime que l'environnement glacial détruira tout agent pathogène biologique, voire mécanique. On coupe le chauffage et l'on croise les doigts pour que le froid élimine l'agent pathogène. Raconte-moi ce qui s'est passé ici. Désolé, votre requête n'est pas assez précise. La fin de session, c'est tout pour le moment. Très bien, alors, commandant. Je ferme votre session. Alerte utilisateur. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Merde, alerte, c'est de la Alerte utilisateur. Ligne terrestre désactivée. Téléphérique immobilisée. Du coup, je dois aller là, je crois. Ouais. C'est bien là. Vers le toit, oui, c'est ça. Sortie vers le toit. Alerte utilisateur. Ligne terrestre désactivée. Téléphérique immobilisé. Attention. Alerte. Oh punaise. C'était chaud. Ligne terrestre. Attends, on va pas faire ça, on va d'abord faire ça. Fonction activée. Ah non, ok, c'est juste ça. Non, c'est tout pour le moment. Très bien, commandant. Je ferme votre session. Bon, allez, on va activer la ligne. Ligne terrestre réparée.
Et maintenant, je vais aller où? Alerte utilisateur. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Ben, je l'ai réactivé, là. Connexion rétablie. Traitement des nouvelles données. Alerte utilisateur. Échec de la connexion au laboratoire. Réacteur principal. Tu sais pourquoi le réacteur a été désactivé? Ah non, ok. Le guide des mesures... Ok. C'est tout pour le moment. Très bien, commandant. Je vais réactiver le réacteur. Putain, mais je dois aller où là? Carte. Pourquoi j'ai ça? Alerte utilisateur. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Ah, attends, je dois peut-être... Attends, je vais accéder au noyau. Fonction activée. Connexion à l'ensemble des installations auxiliaires. C'est tout pour le moment. Très bien, commandant. Je ferme votre session. Alerte utilisateur. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Putain, mais je dois aller où? Ah, c'est peut-être là. Ah, vers les réacteurs, oui, c'est ça. Ok, d'accord. Bon, attention, là, j'ai entendu du bruit. Non, c'est bon. Entrez dans la salle du réacteur. Alerte utilisateur. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Attention. Hello les gars. Alerte utilisateur. Désactivation du réacteur principal en application... Ok, niveau sup, parfait. Oula. Bon, ok. J'ai compris. Et on va faire une projection sur lui. Alerte utilisateur. Désactivation du réacteur principal. Okay. La ligne d'arrivée d'HE3 est coupée. Allez, on doit aller là. On réactive. Voilà. Vous avez achevé la réparation du pic numéro 15. Ok. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Terminal peut-être. Fonction activée. Connexion à l'ensemble des installations auxiliaires. En quoi puis-je vous être utile? Parle-moi de ces agents pathogènes. Des agents biologiques pathogènes sont présents dans la chambre de décontamination des téléphériques. Les téléphériques ont été immobilisés par mesure de sécurité. Activation du système de décontamination recommandé avant tout accès. Allez, active. Que dois-je faire pour activer le système de décontamination? Les commandes du système sont situées près du poste de sécurité, à l'entrée de la zone de décontamination. Alerte utilisateur, système de décontamination inopérant. Comment restaurer le système de décontamination? Le système de contrôle a subi une défaillance matérielle. Vous pouvez y remédier à l'aide d'un Omnitek standard. Déverrouille la chambre de décontamination.
Alerte utilisateur. Présence d'agents pathogènes dans la chambre de décontamination. Accès fortement déconseillé. Comment faire pour détruire les agents pathogènes ? La chambre est équipée d'un système de décontamination d'urgence qui la remplit de plasma à 5000 degrés Kelvin. Cela suffit à empêcher toute contamination potentielle. Bah go. Malheureusement, le système de décontamination est pour l'instant désactivé. Quel est le problème ? Le système de contrôle a subi une défaillance matérielle. Vous pouvez y remédier à l'aide d'un Omnitech standard. C'est tout pour le moment. Très bien, commandant. Ok. Je ferme votre session. Bah, j'ai pas tout compris. Mais bon. Alors, je dois aller où ? Ascenseur vers le toit. Ascenseur vers la cafétéria. Bon, on va faire vers le toit alors. Je pense, je sais pas. Non, je pense pas. Non, non, non. On va plutôt aller à la cafétéria alors. Par ici, y a quoi ? Ah bah si, vers le téléphérique, bah oui. Je suis con. Dans le sas de décontamination. Alerte utilisateur. Présence d'agents pathogènes dans la chambre de décontamination. Accès fortement déconseillé. Ok. Ils sont enfermés. Nous devrions pouvoir ouvrir cette porte. Il semble qu'elle conduise au télé... Ah oui, ils sont enfermés. Fonction activée. Connexion. C'est tout pour le moment. Très bien, commandant. Je... Le groupe de contrôle rôde un peu partout dans les labos. Des sandophiles dingues. On va tous y passer. Ils viennent par les tunnels. Personne n'a réussi à activer notre destruction. Pardonnez-nous. Ne restez pas là. Fuyez. Il s'est tué parce qu'il était impliqué dans l'accident ? Il devait avoir perdu tout espoir pour préférer mourir ainsi. Et comment on fait pour les buter, là ? Ouais, bon, on va les buter. Merde. Ok. Alors on va faire une attraction là. Toi tu vas faire ça là. Et voilà. Ah mais non, mais je dois aller appuyer sur le bouton, mais oui. Je suis con. En plus, ils m'ont même pas suivi les deux Gugus là. Ils sont dû se bloquer. Ils sont là. Je peux pas rentrer ou quoi? Ah ouais, mais il y en a... What? Qu'est-ce qu'il fout là, lui?
Fonction activée. Connexion à l'ensemble des installations auxiliaires. En quoi puis-je vous être utile ? Raconte-moi ce qui s'est passé ici. Désolé, votre requête n'est pas assez précise. Bon, c'est tout pour le moment. Très bien, commandant. Je ferme votre session. Bah du coup, il n'y avait rien à faire en fait. Bon, allez, on continue. Qui me suit, mais ça fait rien. Départ de la station centrale. Destination, station de la faille. De la faille, complexe de recherche de Twin Helix. Twin Helix. Je suis le chemin. Je fais rien de plus. Oh oh oh. Ça paraît être un méchant. Laissez vos armes. Là, c'est un Stormtrooper, le truc. Désolé, impossible de savoir avec certitude ce qu'il y avait dans ce téléphérique. Ces insectes arrivent à opérer une nacelle. Ça, j'en sais foutre rien. Mieux vaut se dire que tout est possible. Écoutez, vous êtes humain. Ça suffit pour que je ne vous tire pas dessus. Mais j'aimerais bien savoir qui vous êtes. Je m'appelle Shepard. Je suis un spectre. Un cheval de nez, on ne regarde pas les dents, comme on dit. Surtout si le cheval en question a un énorme flingue. Les labos fortifiés sont tombés la semaine dernière. Seul Han Olar a réussi à en sortir. Et encore, ça ne tourne plus rond là-haut. Avant qu'on ne se rende compte de quoi que ce soit, ils étaient déjà dans mon poste de commandement. On avait plus d'hommes que maintenant. On n'a jamais rien vu de semblable. Qu'est-ce que vous savez ? Je ne suis pas xénobiologiste. Tout ce que je peux dire, c'est qu'ils se déplacent vite, qu'ils sont futés et qu'il y en a un sacré paquet. Le comité a envoyé une Asari pour gérer le bazar. Elle est partie pour les labos fortifiés hier. Plus de nouvelles depuis. Je ne vais pas vous laisser mourir, vous et vos hommes. Tout ce que je peux faire, c'est rester ici et protéger les civils. Il y a un ascenseur d'urgence près des téléphériques que vous pouvez activer avec cette carte. Il vous emmènera au labo. Ok, parfait. Si vous avez besoin de soins, le docteur Cohen est en bas, à l'infirmerie. J'ai du travail. Ça, je veux bien... Ah. Merde ! Surveillez le périmètre ! C'est bon ? Merci pour le coup de main. Plusieurs fois par jour, un groupe arrive par le tunnel du téléphérique. Ça s'est amélioré depuis qu'on a verrouillé l'ascenseur. Ils attaquent toujours ici. C'est du suicide pour eux. La seule autre ouverture, ce serait de passer par la montagne puis les canalisations. Mais ils craignent le gel, comme tout le monde. Je ne comprends pas pourquoi ils se lancent droit sur nos défenses. Même des animaux finiraient par comprendre que ça ne marche pas. Effectivement. Je vais aller où là ? On va aller à l'infirmerie.
quoi ? Vous connaissez la matriarche Benezia ? Pourquoi me posez-vous la question plutôt qu'à votre amie ? Parce que je ne connais pas la matriarche. Et vous croyez que moi, je la connais ? Bon, allez, au revoir. Ce sera tout pour l'instant. Dans ce cas, je retourne à ma méditation. Indécis, je vous souhaite la bienvenue. Prudent, je suis curieux de savoir ce que vous faites ici. Je cherche une matriarche Asari nommée Benezia. Surpris. Il y a eu une visite récemment. Circonspect. On dit qu'elle est allée au laboratoire fortifié. Sourire de façade. Je dois reconnaître que pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à vendre. Montrez-moi ce que vous avez. Malheureux. Le capitaine Ventralis s'est approprié la plupart de mon stock. Ok. Attends, armure lourde. Bah la mienne est beaucoup mieux, hein. Ouais, bon. Désolé, je n'ai pas beaucoup dormi depuis l'attaque. Vous avez besoin de quelque chose ? Je cherche une Asari. Une Asari ? Il y a bien le docteur Yalis là-bas. Il y a également notre invité, Dame Benezia. Le capitaine Ventralis saura peut-être où la trouver. Ok. On se parlera plus tard. N'oubliez pas de déclarer tout bruit suspect. Accrochez-vous ! Je savais que vous auriez un remède. Quoi ? Que voulez-vous ? Ce sont les aliens qui leur ont fait ça ? Ils sont infectés par une toxine. Il y a eu un accident. J'ai signé un contrat de confidentialité. Je ne peux pas en parler avec quelqu'un d'étranger à la société. Mais vous allez le faire parce que je pourrais vous aider. On va dire que la société donne plus d'importance à nos vies qu'à ses secrets. Vous connaissez Mira ? L'intelligence virtuelle du pic numéro 15. Elle gère les protocoles de sécurité des expériences menées ici. On l'a réactivée en allant à la station centrale. C'était vous ? Merci. Tant qu'elle n'est pas en ligne, l'équipement automatique ne fonctionne pas. Nous avons perdu la connexion avec Mira au beau milieu d'une expérience, et la quarantaine a été interrompue. Ces trois-là ont été exposés à une toxine, un projet sur lequel on travaillait. Vous n'avez pas d'antidote. Notre priorité, c'était de faire en sorte que ça fonctionne. On avait presque synthétisé l'antidote quand Mira est tombée en panne. Nos documents et notre équipement sont enfermés dans les labos de quarantaine. Le capitaine Ventralis ne veut prendre aucun risque de contamination supplémentaire. Je vais essayer de lui parler. Je peux peut-être le convaincre de me laisser essayer. Je ne peux pas officiellement vous demander de le faire. Mais si vous pouvez faire quelque chose, je vous en serai très reconnaissant. Ok. Comment trouver un remède pour ces trois-là ? Les labos de quarantaine sont situés près des quartiers de l'équipe scientifique. Une fois à l'intérieur, cherchez nos documents. Ça ne devrait pas être plus compliqué que ça. Plus tard. J'espère que vous trouverez une solution. Ah, c'est là que je vais aller. Je dois retourner en arrière.
Vous avez besoin de quelque chose? J'ai entendu parler des problèmes rencontrés dans le labo de quarantaine. J'aimerais retrouver le remède à la toxine. Écoutez, je ne demande qu'à aider ces gens, vraiment. Mais on ne peut pas prendre le risque d'être contaminé. Nous ne faisons pas partie de votre plan de défense. On ne fait que consommer des rations et du médigel en plus. Ouais, mais vous avez également des armes en plus. Très bien. Vous voulez mettre votre vie sur la sellette, c'est vous que ça regarde. Je vais m'arranger pour que le garde vous laisse entrer, mais il verrouillera la porte derrière vous. Il vous fera subir un scan complet avant de vous laisser sortir. S'il y a le moindre problème, vous restez à l'intérieur. Ok. Ce sont des précautions raisonnables. Je vais mettre le garde au courant par radio. Bonne chance. J'ai du travail. Et moi donc. Alors. Je dois aller où ? Quarantaine. Ok. Du coup, le quartier des quarantaines, c'est là. Hein. Ouais, la botte quarantaine. Ok. Ok, c'est là. Ah ok, il y a des gars. Vous voulez en savoir plus sur eux, pas vrai? Qui vous êtes? Olar. Anne Olar. Ok. Je veux en savoir davantage sur ces choses. Sur les Rachnies? Des Rachnies? C'est grotesque. Comment sont-ils arrivés jusqu'ici? Ça a commencé dans une épave de vaisseau. Un œuf resté en stase depuis les dernières batailles. Quand ils l'ont rapporté... La ferme? Mon Dieu, vous tenez vraiment à nous faire descendre? C'est pas moi qui décide du destin de chacun, ici. Et vous? Pétez les plombs si ça vous chante, mais... en silence. Oh non, j'y vois clair. Trop clair, même. Faites-moi un topo détaillé sur les Rachnies. Je vous ai dit tout ce que je savais. Nous avons ramené les Rachnies du pays des morts. Pas très judicieux si on y repense. Ok. Je vous laisse. C'est ça. Je faisais des cauchemars. Il faut garder le moral, c'est vrai, et si on se marre pas un peu, on va... Enfin bref, il le faut. Ah cool, il me donne des médicelles. Vous faites pas partie de mon équipe. Ventralis m'a donné la permission d'entrer. Ouais, il m'a averti. Et vous devrez aussi prouver que vous n'êtes pas contaminé pour sortir. Si vous tenez tant que ça à crever, monter la garde sur la barricade, ça marche pas mal aussi. Merde. Oh, c'est quoi ? Doser. Merde. Votre mission se termine ici, Shepard. Embuscade! Vous êtes une espionne pour le comte de Benezia.
J'ai reçu l'ordre de vous éliminer à la première occasion. Lol. Et vous voilà coincé dans ce labo. Feu à volonté. Ok. On va faire la même chose. Tac là, sur elle. Tac sur elle. Et nous, on va faire ça. Mais non, putain, je me trompe à chaque fois. Ok, bon, on a le remède. What? Ah oui, mais c'est la grenade. Allez, on se casse. Ah ouais, ils ont tué tout le monde. Commandant, on dirait que ce docteur Asari a tué le garde. Ils sont sortis de là. Vous voulez dire les êtres non organiques qui accompagnaient l'Asari? Benetia les a amenés avec elle. Comment accéder à la zone de maintenance? Un chef d'équipe y aurait accès. Le docteur Cohen, par exemple. Il est à l'infirmerie. Ok. Je vous laisse. C'est ça. Ah, lui. Non. Lui ? Non. Soulagé. Vous allez bien. Cynique. Je ne peux pas. Ah, il doit être en bas. Non, pas par là, pas par là, pas par là. Est-ce que c'est le remède? Vous avez réussi? Cette scientifique Asari, celle du réfectoire, elle vient d'essayer de nous tuer. Alestia? Non. Je ne sais pas grand-chose à son sujet. Elle est arrivée il y a un mois. Un des actionnaires a usé de son influence pour la faire venir ici. Laissez-moi deviner. Sa reine, le spectre? Oui, je crois que c'est ça. Je ne fais pas très attention aux autres équipes de recherche. Écoutez, les gardes sont sur les nerfs depuis votre arrivée. Je pense qu'ils vous attendaient. Il y a d'autres labos derrière. Les gardes ne me laissent même pas passer. Il faut être muni d'une autorisation. Merci de me prévenir. Voici le remède. Montrez-moi cette fiole. La suite du travail de Phelps. Je savais qu'il était sur la bonne voie. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Désolé pour le cliché, mais vous leur avez sauvé la vie. Vous vous rendez compte? Vous auriez quelques trousses de soins en rab? Ça vaut son pesant d'or par ici. Ce n'est pas moi qui vous les ai donnés. Ventralis voulait les garder pour ses troupes. Je retourne à mes malades. Merci encore. Parfait. Bon allez, on doit aller où maintenant? Non, on doit aller là. Attendez.
Qu'est-ce que je veux faire, Dr. Cohen? Ah merde, mais il y avait encore un truc avec lui. Merde. Peut-être qu'il fallait que je lui parle de tous les sujets. Ils sont en voie de guérison. Je dois me rendre en zone. Ah voilà, j'aurais dû faire ça. Vous n'êtes pas censé y avoir accès. Mais je ne vois pas quel mal ça peut faire. Voici mon autorisation. Mais ne le dites pas aux gardes. Ah voilà. À plus tard. Au revoir. Soyez prudent. Effectivement, j'avais loupé une ligne de dialogue. Alors je vais aller à la maintenance, ça doit être là, j'imagine. Sécurité. Labo sécurisé, non, peut-être pas, je sais pas. La maintenance. Labo en quarantaine. Caserne des gardes. Non, mais ça doit être là, hein, sécurité. Allez, go. On va y aller. Attention, protocole de sécurité Watchdog activé. Veuillez contacter un agent pour toute opération de maintenance. What? Mais putain. Là, il y a pas mal de trucs là. Assoeuvre à le mess. Le centre de recherche, quartier, labo de quarantaine. Téléphérique. Putain, je sais pas où aller. Là où il y a des ennemis, hein. Je me dirige vers où là? Quartier des scientifiques, labo quarantaine. La zone de maintenance. Ah merde! Il a de bouger là! De toute façon, je peux pas aller là. Mais non. C'est pas par là.
Zone de maintenance. Ok, bah c'est là, la zone de maintenance. Oh, c'est quoi ça? Oh, ma triage Benizia, elle est là. Du coup, c'était la voie de sécurité. Vous n'avez pas idée du privilège qu'il y a à être mère. Car la création est un pouvoir. Former une vie, la guider vers le bonheur ou le désespoir. Ces enfants auraient dû être les nôtres. Élevés pour chasser et abattre les ennemis de sa reine. La compassion n'a pas de prise sur moi. Peu importe qui vous incluez dans cette confrontation. Yara est ici parce qu'elle le veut, pas parce que je lui ai demandé. Vraiment? Que lui as-tu dit sur moi, Yara? Que pourrais-je dire, mère? Que tu es folle? Maléfique? Dois-je leur expliquer comment te tuer? Que dois-je dire? Avez-vous déjà combattu un commando Asari? Peu d'humains l'ont fait. Je n'arrive pas à croire que vous soyez prête à tuer votre propre fille. Je me rends compte que j'aurais dû être plus ferme. Ok, allez, let's go. C'est bon. Putain, mais encore ? Ils sont où ? Bon, allez, j'en ai marre. Tu vas me faire un vortex là. Et voilà, parfait. Ce n'est pas fini. Nul ne peut arrêter sa reine. Mon esprit est empli de lumière. Tout est clair. Parlez, Benizia. Qu'est-ce que sa reine prépare? Je ne le trahirai pas. Vous n'apprendrez... Vous... Écoutez attentivement. Sa reine murmure toujours dans mon esprit. Je peux combattre ses pulsions brièvement, mais l'endoctrinement est puissant. Comment avez-vous échappé à son contrôle? J'avais scellé une partie de mon esprit pour me protéger de l'endoctrinement. Ouais, ça sent le traquenard, là. En attendant le jour où je pourrai participer à sa destruction. Je ne tiendrai pas longtemps. Sur Féroce, on a rencontré Shiala. Elle nous a parlé de l'endoctrinement.
C'est terrible d'être prisonnier de son propre esprit, de taper à la vitre tandis que vos mains tuent et torturent. Je ne pouvais rien faire. J'étais l'outil de Saren. Il m'a chargé de retrouver la position du relais cosmodésique Mu, perdu depuis des milliers d'années. Dites-moi où se trouve le relais Mu avant que je perde patience. Bien sûr, commandant. J'ai transcrit les données dans un DSO. Tenez. Connaître les coordonnées du relais ne suffit pas. Sais-tu où il prévoit de se rendre ensuite ? Saren ne m'a pas révélé sa destination. Vous devez la découvrir, et vite. Je lui ai transmis les coordonnées juste avant votre arrivée. Vous devez arrêter ça. M'arrêter. Il ronge mon esprit, enserre ma colonne vertébrale. Vous devez... Vous devez... Mais... Ne pars pas. Repousse-le. J'ai toujours été fière de toi, Lyra. À votre tour. Ah bah voilà. Je ne peux pas aller plus loin. Ce sera à vous de m'arrêter, Shepard. Attendez, on a du Medigel. Peut-être qu'on peut... Non. Il est encore dans mon esprit. Je ne suis pas vraiment moi-même. Et je ne le serai plus jamais. Mère ! Bonne nuit. Je te reverrai à l'aurore. Pas de lumière. On dit toujours qu'il y a... Ah mais du coup, il y a... Ah si, ça sent le boss, hein. Elle, c'est notre voix. Nous ne pouvons pas chanter, pas dans ces espaces confinés. Vos chants sont sans éclat. Quel chant ? Qu'est-ce que vous racontez ? Votre façon de communiquer est étrange, sans relief. Elle ne donne pas de couleur à l'air. Nous parlons de tous nos sens. Nous sommes la mer. Nous chantons pour ceux tombés dans les limbes, pour les enfants que vous croyez réduits au silence. Nous sommes Rachni. C'est vous qui avez ordonné de tuer l'équipe de scientifiques ? Non. Nous étions enfermés ici. Les enfants sont hors de portée de nos chants. Ils sont perdus dans le silence. Les enfants que nous avons mis au monde nous ont été enlevés avant qu'ils ne puissent apprendre à chanter. Ils sont perdus dans le silence. Mettez fin à leur souffrance. Il est impossible de les sauver. Dans l'état où ils sont, ils ne peuvent que craindre. Ah, ça a coupé. Quel est leur problème ? Je ne comprends pas. Pourquoi vos enfants tuent ? Les chantes chiffres ont volé nos œufs. Ils veulent transformer nos enfants en bêtes de guerre, en griffes dénuées de chants. Le silence ne gêne pas nos aînés, mais les enfants, eux,
ne connaissent que peur en l'absence de champ. La peur a brisé leur esprit. Je comprends. Un enfant enfermé dans un placard jusqu'à 16 ans garde forcément des séquelles. Si vous êtes sûr qu'ils ne peuvent pas être sauvés. Nous chantons notre douleur, mais c'est nécessaire. Faites ce que vous avez à faire. Avant de vous occuper de nos enfants, contemplez-nous. Qu'allez-vous chanter? Serons-nous relâchés? Allons-nous à nouveau disparaître? Les Rachni étaient une menace pour la galaxie. J'imagine que ces réservoirs remplis d'acide sont là par précaution. Nos prédécesseurs ont laissé trop de liberté aux Krogan. Voilà notre chance d'expier leur erreur. Vos compagnons entendent la vérité. Vous avez le pouvoir de nous libérer ou de renvoyer notre peuple dans les limbes du silence. Si je vous laisse vivre, est-ce que vous attaquerez à nouveau les autres races? Non. Nous... Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant la guerre. Nous n'entendions que discordance des chants sombres et suintants. Nous chercherons un endroit reculé pour apprendre l'harmonie à nos enfants. S'ils comprennent, peut-être reviendrons-nous. Êtes-vous une survivante de la guerre? Un clone? Nous ne savons pas. Nous ne nous rappelons que les pleurs de notre mère dans nos rêves larvaires. Puis, un son provenant de l'espace a fait taire les voix, les unes après les autres. Il forçait les autres chanteurs à entrer en résonance avec sa propre note, d'un jaune acide. Nous nous sommes alors réveillés dans cet endroit, dernier écho de la planète chantante. Désormais, le ciel est silencieux. Ah, je ne vais pas vous tuer. Je ne veux pas détruire votre espèce. Je vais vous libérer. Vous nous laissez une chance de composer à nouveau? Nous nous en souviendrons. Nous chanterons votre clémence à nos enfants. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors déjà, on a 4 points à mettre. Je sais pas à quoi ça sert premier secours, putain. Formation de combat. Voilà. On est pas mal. Alors maintenant on doit faire quoi là? Arbor fortifié. Ah c'est là. Ok. C'est là. C'est là.
Ça se voit pas? Venez sécuriser le complexe? Oui, je suis un spectre du conseil. Et vous? Qui êtes-vous? Yaroslav Tartakovsky, directeur des opérations. Pardonnez-moi si je reste assis, mais... Écoutez-moi bien. Si nous ne réparons pas notre erreur, les stations de combat en orbite vont nous oblitérer. Vous comprenez? Pour l'instant, je ne comprends rien. Que faisiez-vous ici exactement? Twinelix a trouvé un œuf sur un vaisseau très ancien, qui dérivait depuis des millénaires. C'était un vaisseau Rakni. À l'intérieur, ils ont trouvé de nombreux œufs en suspension cryogénique. Et ils l'ont rapporté ici pour le faire éclore. Twinelix voulait cloner les Rakni, les produire à grande échelle pour créer une armée. Mais à leur arrivée, ils ont compris que l'œuf n'était pas celui d'un vulgaire Rakni. C'était un œuf de reine. Après la ponte, ils ont envoyé la reine à la faille, en pensant que sans elle, les bébés Rakni seraient plus obéissants. Attendez, comment la reine a pu être fécondée sans mâle? Les reines Rakni naissent avec le code génétique de leur père. Ensuite, les œufs sont emportés loin pour fonder une autre colonie. Les reines peuvent pondre en quelques heures et avoir une nouvelle colonie. En quelques jours, leur croissance est très rapide. Vous êtes planté. Séparer les Rakni de leur mère n'a servi à rien. C'était la pire des choses à faire. Sans leur reine, les Rakni ne se développent pas correctement. C'est son esprit qui les éduque. Sans elle, ils sont incontrôlables. Dans ce cas, tout ce qu'on a à faire, c'est de la ramener ici. Non. Désolé, mais ça ne marchera pas. Ces Rakni sont trop dangereux. C'est triste, mais ils doivent mourir. Vous pourriez activer la bombe neutronique. Elle fonctionne comment, cette bombe? C'est une explosion de neutrons irradiants. Ça tue tout à l'intérieur de la station et il faut s'attendre à des dégâts génétiques sur les formes de vie à proximité. Qu'est-ce que je dois faire? Les commandes pour armer la bombe sont à côté. Vous insérez la clé et ensuite je donne le code à Hiram. Lol. Du complexe, que désirez-vous? Active la bombe neutronique. Désolé, je ne peux accéder à votre requête sans le code d'autorisation adéquate. Autorisation 875-020-079, exécution locale du code Oméga. Confirmé, exécution du code Oméga dans 120. Ah, mais comment je connaissais le code? Oh là là! Attaquer. Oh là là, mais il y en a plein, il y en a partout. Et il faut se casser, il faut se casser.
Ah mais c'était juste le bas, ok. Ok, je vais quitter la station. Ah bah c'est là, le téléphérique est là. Effectivement. Oula, oula, oula. Qu'est-ce qu'on fait, commandant? On va au relais mu? Pas suite. Le relais mu doit connecter des dizaines de systèmes. Si nous ne savons pas exactement où va Saren, ce sera du temps perdu. Le commandant a raison. Nous ne pouvons pas avancer à l'aveugle. Nous devons en apprendre davantage sur Saren. Non mais depuis quand c'est vous qui prenez les décisions? Vous voulez devenir commandant à la place du commandant ou quoi? Du calme, du calme. Tout le monde est dans la même équipe, Williams. Elle donne juste son point de vue. Désolé, commandant. Ça va. C'est une mission difficile, tout le monde est à cran. Vous devriez aller vous reposer. Équipage, rompez. Le rapport est envoyé, commandant. Vous voulez que je vous mette en relation avec le conseil? Passez-les-moi, Joker. J'établis la connexion, commandant. Ce rapport est exact, commandant? Vous avez trouvé des rachnies sur Noveria? Et libérer leur reine. Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait? Combien de générations leur faudra-t-il avant qu'ils n'envahissent la galaxie? Cette reine est différente. Elle a compris pourquoi sa race a été éradiquée la dernière fois. J'espère que vous avez raison, Shepard. Sinon, les enfants de nos enfants en paieront le prix. Nous attendons votre prochain rapport, commandant. Bon. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On va aller à la citadelle pour donner les quêtes qui nous restent. On peut faire encore un sous-marin? Ah ouais, ok, c'est, on revient là. Et on va aller à la citadelle. Une nouvelle quête et on va se laisser là, je pense. On va pas la finir, c'est sûr. On va garder ça. Je l'aime bien, cette petite équipe.
compensation du différentiel de pression intérieur-extérieur. Livre de bord. Le commandant a quitté le vaisseau. L'officier Presley prend le commandement. Contre-amiral Mikhailovich, 5e flotte. Nous ne vous attendions pas, amiral. J'aurais fait préparer un accueil officiel. Épargnez-moi les civilités. Je commande la 63e flottille de reconnaissance. Vous et le Normandie étiez censés rejoindre mon unité à l'issue du vol d'essai. Sauf que le Conseil a mis ses sales pattes, ses griffes, ses tentacules, tout ce que vous voulez sur le vaisseau. Et sur vous. Je sers toujours l'Alliance, amiral. En tant que spectre, je ferai valoir nos intérêts auprès du Conseil. Mm-hmm. Vous n'avez pas oublié la couleur de votre sang, Shepard ? Qu'on vous jette en pâture au Conseil, passe encore. Question d'opportunité. Et ce qui me dérange, c'est ce gros tas de ferraille informe. Ce vaisseau nous a sauvé la vie une bonne dizaine de fois déjà. N'exagérons rien, j'ai lu vos rapports. Cette petite expérimentation nous a coûté des milliards. Nous aurions pu faire construire un croiseur lourd avec tout cet argent. Mais non ! Il fallait faire un ami-ami avec les Turiens et gâcher de l'argent dans cette chimère commune. Je viens en inspection, commandant. Le Normandie est un vaisseau de l'Alliance. Je veux voir s'il est à la hauteur. Tout est parfaitement en règle, amiral. Bien sûr. Attendez ici. Je n'en ai pas pour longtemps. Qui c'est celui-là ? Je ne suis pas satisfait, commandant. Comme c'est étonnant. Commandant, je ne saurais trop vous conseiller de modérer vos propos. Vous allez vous attirer des ennuis. Qui a conçu cette passerelle ? C'est complètement insensé de placer un commandant à l'arrière du vaisseau. Comment fait-il s'il veut parler aux opérateurs de proue ? Mes hommes savent éviter les bavardages inutiles pendant le combat. Et niveau voix, je peux rivaliser avec la crème des sergents instructeurs. Ma foi, vu sous cet angle, et puis je doute que cette configuration se standardise. Vous imaginez faire vos classes le dos tourné à l'ennemi ? Je désapprouve catégoriquement l'utilisation de votre propulseur. Il y en a pour 120 milliards d'éléments zéro pour que ce vaisseau puisse se déplacer sans se faire repérer. Vous vous rendez compte qu'on aurait pu fabriquer des propulseurs pour 12 000 chasseurs avec cet argent ? Tout ça pour jouer à cache-cache pendant une poignée d'heures ? Sottise ! Nombreux sont les ignorants qui ont dit la même chose pour les avions, les sous-marins et les chars. Attention, commandant. Je pourrais mal le prendre. Cela dit, votre analogie n'est pas sans fondement. Un mot sur les membres de votre équipage, commandant. Un Krogan ? Une Asari ? Des Turiens ? Mais qu'est-ce que vous avez dans le crâne, commandant ? Ces aliens ont accès à tous les équipements de l'Alliance. Entre Saren et les Guettes, on est servi, question ennemie. Ce n'est pas en se méfiant des autres que nous allons réussir à nous entendre. En partant du principe qu'ils en valent la peine, ce qui est loin d'être sûr. Vous avez quelque chose à ajouter, commandant ? Quelque chose qui justifierait l'état de ce vaisseau ? Le Normandie est un excellent vaisseau, amiral. Même si vous ne partagez pas cet avis, reconnaissez que sa construction conjointe et son équipage multiracial donnent une bonne image de l'Alliance. Alors occupez-vous de votre image, commandant. L'Alliance s'occupera de faire la guerre. Je pense toujours que le Normandie n'est qu'une perte d'argent. Mais je pense aussi que vous croyez le contraire. Et que vous l'utiliserez au mieux de ses possibilités. Parfait. Je dois faire mon rapport au QG interarmé. Il ne sera pas aussi négatif que je l'avais prévu. Bonne chasse, commandant Shepard. Ne nous décevez pas. Vous devez vous sentir en terrain familier, Lyra. Nos voyages sont une véritable plongée en pleine culture protéine. Je n'ai pas vraiment l'habitude de ce genre de tribulation. Je préférerais étudier nos découvertes au calme, loin de toutes ces explosions. La perte de toute cette technologie protéenne s'ajoute à la longue liste des crimes de Saren.
Bon. Allez. Commandant Shepard. Kalissa bin Sinan al-Gilani pour Westerloon News. Auriez-vous quelques instants à me consacrer? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous avez l'immense responsabilité de représenter la race humaine. Le public voudrait savoir comment vous comptez vous y prendre. Cela fait 26 ans que l'humanité tente de gagner le respect de la communauté galactique. Sachant cela, qu'est-ce que ça vous fait d'être le premier spectre humain? Les spectres sont censés représenter la fine fleur de chaque espèce. Être appelé parmi eux est un grand honneur. Certains pensent que c'est un moyen d'amadouer l'humanité. Vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où l'on vous demandait de faire passer les intérêts de la citadelle avant ceux de la Terre? Le Conseil doit satisfaire les besoins de toute la communauté galactique, dont ceux des humains, mais pas seulement. Vous croyez vraiment à ce que vous dites? On vous a placé aux commandes d'un vaisseau de guerre humain très sophistiqué. Que pouvez-vous nous en dire? En fait, le Normandie a été développé en étroite collaboration avec des ingénieurs turiens. Il dispose de très nombreuses innovations, mais c'est top secret, désolé. Alors les Turiens connaissent les secrets du Normandie pendant que le public humain reste dans l'ignorance. Pensez-vous que ce soit une bonne idée de laisser aux mains de la Citadelle notre vaisseau de guerre le plus sophistiqué? Mademoiselle al-Gilani, vous voyez mon uniforme? C'est celui de l'Alliance. Au cas où vous l'ignoreriez, c'est moi qui commande le Normandie. Moi et personne d'autre. Je ne vous reproche rien, commandant. Après tout, les ordres sont les ordres, même s'ils viennent d'aliens. En parlant de votre nouvelle mission, est-ce le Conseil qui vous a demandé de saboter les recherches humaines sur Noveria? Je n'ai pas le droit de parler de cette mission. Donc, c'est le Conseil qui vous avait envoyé là-bas. Très intéressant. À la lumière de vos récentes expériences, pensez-vous que la communauté galactique accordera un jour à l'humanité le respect qu'elle mérite? Ce qui est étrange avec le respect, c'est que les gens pensent qu'il leur est dû. Sauf que le respect, ça se gagne. Et je sais que nous le gagnerons. Belle leçon d'idéalisme, commandant. Puissiez-vous avoir raison. Une dernière question, commandant. Bon. On prétend aussi que vous seriez à la poursuite d'un spectre renégat appelé Saren. Un commentaire? Je vais te la fermer, moi. Eden Prime, c'est lui. Je conseille le protéger. Ah, je ne peux rien dire. Je ne vais faire aucun commentaire sur ma mission actuelle. Ne vous inquiétez pas. La vérité éclatera tôt ou tard. Tous les yeux de la Terre sont fixés sur vous. Ne nous décevez pas. Pas de soucis. Merci de m'avoir accordé un peu de votre précieux temps, commandant Shepard. Ok, bon, est-ce qu'on peut rendre des quêtes, là, putain? Vers le Présidium. Après des années de déficit financier, Exogénie annonce que sa colonie de Féros commence à générer des bénéfices. C'est grâce à des découvertes récentes et à la persévérance de ses colons qu'Exogénie voit finalement ses efforts récompensés. Suite à cette annonce, le cours de l'action Exogénie est monté en flèche pour la plus grande satisfaction des actionnaires. Bon. Alors, je dois aller où, là? Il y a un truc là. Bon, on va tout y aller. Et il y a un truc là. Avina. Avina aussi. Bon, Avina, c'est quoi ça? Ah, mais c'est... Ok, c'est ça. On s'en fout de ça. Putain, qu'est-ce que je dois... Où est-ce que je dois aller, là? Faut que je rentre des quêtes. Alors, parler à Garante. À la tour de la citadelle. C'est du Présidium, tour de la citadelle. Ok, parfait.
Ah, je suis bloqué. Alors, vous avez retrouvé mon frère ? J'ai retrouvé le corps de votre frère. Son vaisseau a bien été attaqué par des pirates. Willem mort ? Enfin, bon. Il fallait s'y attendre. Je m'en suis douté dès qu'on a perdu le contact avec son vaisseau. Mais j'avais encore un espoir. Toutes mes condoléances. Merci de l'avoir retrouvé. Ça fait mal, mais c'est pire de ne pas savoir. C'est ce qu'on dit, pas vrai ? Je vais devoir vous laisser. Il faut que je m'occupe des funérailles. Ok. J'ai pas gagné de... d'XP. Bon. Enquêter sur les mercenaires. Rendez-vous dans le système Macédoine, secteur Artemis. Ah, mais ça, on l'a pas fait, ça. Bon, ok. Ah bah attendez, c'est quoi ça? Rendez-vous sur le système Macédoine. Enquêter sur les attaques de mercenaires. Bah attendez... Il me semblait que j'avais une autre quête à rendre ici. Pourquoi il ne bouge pas? Qu'est-ce qu'il peut bien faire là? Il me semblait que j'avais une autre quête à donner. On les ambassades présium de la citadelle. On l'a fait. Mais c'est Kinasan. Putain, mais je comprends rien. Bon, ok. Bon, comment on part d'ici là? Voilà. Je me demande s'il a conscience de ce que je fais. Alors, Presidium. Putain, c'est où déjà? Accès au secteur, ça va être ça. Attends, mais ici, est-ce que je peux aller sur une Normandie? Non, on peut pas, putain, ils auraient dû mettre un raccourci. Les races proclament la gloire des porte-flammes, qui leur ont à tout apporté la lumière. Putain, mais comment je fais pour aller en Normandie maintenant? Tour de la citadelle. Attendez, je suis venu comment? On peut pas redescendre. Attendez. Comment je suis arrivé là? La tour de la citadelle. Je suis perdu. Non, ça doit être la tour de la citadelle, je pense.
Mais il me semblait que... Putain, mais... Je serais curieux de savoir ce que le Normandie a dans le ventre. Vraiment ? Le Normandie est pourtant un vaisseau furtif. Il n'a pas été conçu pour le combat. Justement, notre furtivité joue en notre faveur. Attaque surprise, contournement, etc. Le Normandie redéfinit les tactiques de combat habituelles. J'avais oublié le sens tactique et stratégique. Oh là là. Rien. Cela étant, j'espère tout de même que nous éviterons les combats. J'ai mal au dos. Attends, est-ce que c'est là? Bah non, c'est pas là. Attends, je crois pas. Chambre du conseil. Non, mais pas du tout, c'est pas du tout là. Une équipe de fouilles galariennes s'est heurtée à un problème inattendu après la découverte d'un site protéen. Les manifestants Anari ont en effet envahi le site de fouilles en invoquant que les artefacts des porte-flammes ne devaient pas être profanés. L'équipe de fouilles a fait appel aux représentants des Anari à la citadelle pour parvenir à un compromis. Putain, je suis complètement perdu. Il faut que je descende. Je peux te dire que ce n'est pas ce que Jack aurait voulu. Parce que tu crois connaître mon mari mieux que moi maintenant. Écoute, tu as perdu la tête. Tu mets la vie de ton bébé en danger. Ce bébé, c'est tout ce qui me reste de lui. Ah voilà, ça doit être là. Ce n'est rien ça. Moi, ça fait 5 fois qu'ils me mettent le foutoir dans mon bureau. 5 fois. Bienvenue. Merde. Mon nom est Nelina. Je ne crois pas que vous fassiez partie des clients attendus aujourd'hui. Voulez-vous postuler pour un rendez-vous avec la favorite? Moi, un rendez-vous? Je ne peux pas simplement aller la voir. Malheureusement, non. Comprenez bien que la favorite reçoit de très nombreux clients. Si vous voulez me laisser votre nom, elle fera tout son possible pour vous accorder une audience. Qui est la favorite? Que fait-elle? C'est difficile à expliquer. Elle représente beaucoup de choses pour beaucoup de gens, et elle apporte à chacun quelque chose de différent. Certains la voient pour ses conseils, d'autres pour sa conversation, d'autres encore pour le plaisir. La plupart de nos clients ne savent pas ce qu'ils cherchent avant qu'elle ne leur fasse découvrir. Bon, allez, je vais... J'espère vous revoir. Nelina? Oui, Shaira? Fais monter le commandant, je souhaite lui parler. Oui, bien sûr, madame. La favorite semble vous avoir remarqué. Elle souhaite vous voir tout de suite. Bon, ok. Où dois-je aller? À l'étage. Elle vous attend là-haut. Putain, mais je voulais pas du tout aller là. Aïe, aïe, aïe. Très franchement, je suis un peu nerveux. C'est compréhensible. À l'étage. On ne sait pas à quoi s'attendre la première fois. Ah là. Ce n'est pas ce que je veux dire. On dit beaucoup de bien de la favorite. C'est juste que... L'inconnu nous contraint. Tout à fait. N'approchez plus, commandant. J'ai beaucoup entendu parler de vous depuis votre arrivée à la citadelle. Vous vouliez me parler? J'ai un problème qui nécessiterait votre expertise. Je peux peut-être vous aider. L'un de mes amis est un général turien à la retraite nommé Septimus. Sans rentrer dans les détails, disons qu'il attendait de moi plus que je ne pouvais lui donner. Depuis que nous sommes en froid, il passe tout son temps à l'antre de Coras, à boire sans fin et répandre des calomnies à mon sujet. Si vous pouviez lui parler de soldat à soldat, je crois qu'il vous écouterait. Que s'est-il passé entre vous deux? Par respect pour sa vie privée, je ne rentrerai pas dans les détails. S'il souhaite vous raconter ce qui s'est passé, c'est à lui de le faire.
Ok. Que voulez-vous que je lui dise exactement ? Faites appel à son sens de l'honneur. Rappelez-lui son statut de général. Si vous parvenez à le convaincre d'arrêter de me calomnier, je vous en serai très reconnaissante. Sur ce, je dois vous demander de prendre congé. Nombreux sont ceux qui m'attendent. Bon, on va faire ça, vite fait. Tiens, on va un peu voir les équipements, là. Alors, il y a quoi ? Ah bah là, il y a un nouveau. Le Thunder Cat. Bon, ça, on s'en fout. Le pistolet, on s'en fout. Fusil de précision, voilà. Tac. Ah bah là, encore mieux. Et c'est tout. Ah, et l'armure. Ah bah voilà. Elle. Là, une meilleure armure. Putain, mais là... Voilà. Lui. Ok. Rien de mieux. Putain, mais lui, il a vraiment zéro armure, hein. Qui peut lui aller? Bon, allez, journal, je vais aller où? Jean se trouve à l'antre du Coras dans le secteur inférieur. L'antre de Coras, ok. J'y allais assez souvent quand c'était encore là. Secteur. L'antre de Coras. Ok. Je crois que c'est là, hein. Ah là. Bah du coup c'est pas du tout par là. Ah merde! Attendez, j'ai rien compris. Finalement, j'étais au bon endroit alors. Faut que je descende les escaliers. Bureau de Fist. Putain, mais comment on se perd dans ce jeu, c'est un truc de ouf. Ah mais non, mais c'est pas bon. Ah mais non, mais c'est par là, je suis trop con. Mais oui.
Voilà. C'est qui alors? C'est... Jerez, commandant. C'est lui. Que voulez-vous? Je viens de la part de Shaira. Vos mensonges lui font du tort. Tant mieux. Moi, elle m'a tué, vous entendez? Elle m'a tué. J'ai vu pas mal d'horreurs dans ma vie. Et dans toute la galaxie, il n'y a qu'une femme qui arrive à me les faire oublier. C'est pitoyable. Pourquoi se mettre dans cet état pour une femme? Parce qu'elle ne veut pas de moi. Moi, Septimus Oraka, général de la flotte turienne. Ce n'est pas un exemple pour vos troupes. Qu'elles aillent se faire voir, les troupes. Ce que je voulais, moi, c'était arrêter de travailler pour vivre avec elles. Écoutez, c'est gentil d'essayer, mais vous perdez votre temps. Bonne biture, général. Ouais, allez-y, à plus tard. J'ai des scrupules à le laisser dans cet état, commandant. Ne perdez pas votre temps ici, partez, vous avez mieux à faire. Il faut agir en général, si vous voulez vous en sortir. J'ai agi en général toute ma vie. Non, c'est terminé. Je tombe le masque. Je suis un soldat fatigué, seul et usé. Vous voulez qu'on se souvienne de vous dans cet état? Non, je préfère qu'on m'oublie. Mais je vois ce que vous voulez dire. Vous croyez que c'est aussi facile? Qu'il suffit de bomber le torse et de faire le général? Ça ne peut pas faire de mal. Vous avez peut-être raison, commandant. Shaira en vaut bien la peine, même si elle ne me laisse pas revenir. Parfait. Alors debout, général. Allez la voir. D'accord. Après avoir pris une bonne douche froide. Voilà. Vous avez l'air plutôt futé dedans. Ça vous dirait de vous faire quelques crédits? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a un diplomate Elcor qui pense que Shaira a divulgué ses secrets. Et pourquoi cela? C'est moi qui le lui ai dit. Écoutez, je voudrais juste que vous parveniez à le convaincre du contraire. Et pourquoi il me croirait, moi? Parce que vous allez lui apporter la preuve. Tenez, prenez ce datapad. Non. Il indique où j'ai eu mes infos. Ça permettra de disculper Shaira et de convaincre l'Elcor. Je le donne à qui et je le trouve où? Un diplomate Elcor nommé Xeltan. Il est aux ambassades, en train de vider son sac sur Shaira. Eve, voilà un soldat, un vrai. Merci, commandant. Vous savez, vous pourriez faire un bon général un jour. Bon. Qu'est-ce que je dois faire maintenant, bordel? Alors, attendez, qu'est-ce que je dois faire? Ok, parler à Shaira, on fera ça plus tard, parler à Xeltan. À l'ambassade Elcor. Trouver à l'ambassade. L'ambassade, c'est quoi? C'est Présidium. Ambassade. Ah là. Ok. Ça va être là, j'imagine. Oui, c'est là. Ah merde, il est de l'autre côté. Bien. Xeltan, bonjour, humain. Sincère. Désolé,
Mais je suis ici pour affaires et je ne veux pas être dérangé. Je viens discuter de votre petit problème. Curieux. Que savez-vous de la favorite et de ses relations avec moi ? C'est un Turien du nom de Septimus qui a découvert votre secret. Incrédule. Je connais ce Septimus et il n'a pas pu apprendre mon secret. La seule personne qui aurait pu l'informer, c'est la favorite. Nous avons des preuves. Regardez donc. Troublé. Je ne comprends pas si le Turien l'a appris par lui-même. Consterné. N'importe qui peut découvrir mon secret. Septimus est un homme puissant, et pourtant il a eu du mal. Soulagé. Vous avez probablement raison, humain. Merci pour cette information. Prise de conscience. Je dois d'ailleurs aller parler en personne à la favorite. Elle est certainement très mécontente de ce que j'ai fait. Anxieux. Veuillez m'excuser, humain. Je dois partir immédiatement. À la prochaine. Au revoir, humain. Reconnaissant. Vous m'avez rendu un fier service, commandant. Approbateur. Vous voyez, Dean, tous les humains ne sont pas comme vous dites. Parfait. Je suis sûr que l'être humain a quelque chose à gagner dans tout cela. Bon, allez, on va voir l'autre maintenant. C'est par là, ouais. Allez. Du coup, c'était par où ? C'était par là, je crois. Ouais, c'était là. C'est vrai, mais c'était il y a longtemps. Je m'en souviens à peine. Qu'est-ce qui vous a ramené à la citadelle ? Je ne sais pas exactement. C'est étrange, mais je me suis sentie appelée. Il y a rien d'étrange là-dedans. Beaucoup d'entre nous ont... Commandant, je viens de recevoir un charmant message de Septimus. Merci de lui avoir parlé. Voilà, même parfait. Le diplomate Elcor a cessé de s'en prendre à moi. Ce fut un plaisir de pouvoir vous aider. C'est bien aimable à vous, commandant. Mais je ne m'attends pas à ce que vous m'aidiez par pure bonté d'âme. J'ai encore autre chose à vous donner, si ça vous intéresse. Ok. Avec grand plaisir. Je vous propose de lire en vous. De vous révéler ce que vous êtes et ce que vous deviendrez. Ok, bah parfait. Je vois votre peau, dure comme les écailles d'un Turien, impénétrable. Un mur entre vous et le monde. Mais c'est ce mur qui vous protège, qui vous rend plus fort. Cette force vous a permis de vivre tandis que la mort s'emparait de tous vos congénères. Vous seul avez survécu, et vous survivrez encore. Telle est votre essence actuelle. Mais ce ne sont que les fondations de votre future grandeur. Souvenez-vous de ces paroles lorsque vous douterez de vous, commandant. C'est un véritable don que vous avez, Shaira. Merci. Il en est qui ne l'apprécie guère. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des mots, commandant. Tenez, commandant, pour l'aide apportée à l'ambassadeur Elcor, daignez accepter cette modeste rétribution. Qu'est-ce que c'est ? Un petit mystère. Je n'ai jamais su à quoi elle servait, mais je sens le moment venu de la passer à autrui. À présent, je dois vous demander de partir. J'ai fait tout ce que je pouvais pour vous. Ok, bah nickel, du coup on a reçu un truc. Souvenez-vous de mes paroles, commandant Shepard. Elles vous donneront de la force. Alors... on a pas mal de choses, on va faire à main de combat. Ah merde, j'en gagne que un. Bah toi tu vas faire... vas-y, électronique. Et toi tu vas faire... un petit... formation de combat. Là, le codex est tellement rempli. So. On dénombre 2 à 400. Féros est une planète habitable. Noveria est un monde fou. Virmir est un monde luxe. L'Alliant, le B.
Non, 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 c'est pas là. Bon, où est-ce que je... Putain, mais où est-ce que je dois aller, là? Vers l'ambassade. Vers le SSC, vas-y. Non, mais c'est pas le SSC. Ah, mais c'est là que je dois aller. C'est là. Putain, mais depuis le temps que je cherchais ce truc-là. Voilà, c'est là. Du coup, c'est bien l'académie du SSC. Voilà. Les techniciens du Presidium tentent de découvrir ce qui a entraîné la surcharge catastrophique d'un système informatique. Les techniciens sont incapables de se prononcer sur les causes de ce dysfonctionnement, ni même sur la vocation première du système. Le SSC suspecte un acte de vandalisme ou d'abus de biens publics. Voilà, c'est bon, c'est là. Bordel. Je crois. Non. La baie d'amarrage, voilà, parfait. Twinelix a fait appel à un médiateur pour négocier avec un groupe Krogan qui accuse la firme de fraude. Les Krogan avaient engagé Twinelix pour trouver un remède à la stérilité génétique de leur race. C'est suite à des résultats décevants qu'ils ont décidé de poursuivre Twinelix, souhaitant récupérer leur investissement. Enfin, bordel. Bon, allez. Commando, départ imminent. Décontamination en cours. Décontamination en cours. Nickel. Livre de bord. Le commandant a réintégré le vaisseau. L'officier Presley est relevé. Ok, allez, c'est parti. Alors, on va faire une quête secondaire. Alors, journal. C'est ça. Rendez-vous à Macédoine, secteur Artemisto. Réception d'un message, je transfère. Commandant, votre histoire vient d'être diffusée. Elle n'aurait pas dû vous tendre ce traquenard, mais vous avez été vraiment exemplaire. Ah bah parfait. Nous avions quelques désaccords, chef. J'espère au moins qu'elle a vu que j'étais sincère. Bravo, commandant. Vous l'avez vraiment fait passer pour une idiote fine. Lol. Bref, je voulais juste vous informer des retombées de cette histoire. Je ne vous retiens pas plus. Cinquième flotte, terminée. Alors. Exodus, non. Argoro. Artemisto. Macédoine. Ok, et maintenant je vais aller où? Alors là, je peux atterrir. Apprécier, appuyer, en déterminer la source, et lancer une balise après l'avoir rapporté à bord. Lançons partir au stockage. Ok.
Bon, on va aller là. Alors, on va prendre lui et elle. Alors, comment ça se passe? Alors déjà, commando, elle a 10 points. Alors, décryptage, non, électronique, je crois. Oui. Voilà. Sabotage supérieur, c'est parfait. Un petit deux coups, un petit ratage. Pistolet allé au max, armure. Voilà, max. Premier secours, 2. Et électronique, 1. Allez, parfait. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Rendez-vous dans le SM, ok. Enquêtez sur les attaques de mercenaires. Ok. Alors, on va déjà aller là, dans les débris. Ah, voilà, c'est elle qui peut recycler. On va voir ce que ça donne. Mode de grenade, mode d'armure. Ok, c'est juste ça. 7 ! What ? Effectivement, il faut pouvoir apprendre avec elle. Bon, carte. On va aller là. Anomalie. Putain, mais ça m'intrigue trop, là, le truc à 7, là. C'est là, 8 même. Bouclier 120. Allez, go, ça. Quelle dinguerie ce jeu, il y a une ambiance de fou. Eh ben oui, Nemra V1. Est-ce que t'as déjà joué à Mass Effect ou pas? J'ai découvert l'an dernier avec la légende. Ah bah c'est ce que j'ai. J'ai la légendaire édition. Charme. Ah bah tant mieux. Bon, moi je sais pas du tout si je suis loin dans le jeu ou pas. Mais pour l'instant ça va. On va dire que le premier il a mal vieilli. Hein. Mais c'est vrai que l'ambiance est folle. C'est vraiment pour les amoureux de SF. Ah merde. Ah! Ah non! Mais c'est pas vrai! Alors, il n'est pas évident de déterminer qui vivait ici, mais l'endroit. Ok. Et du coup, tu les as finis ou pas? Ouais.
J'aimais pas tout ce qui était à futuriser dans l'espace. Après ce jeu, ça m'a ouvert d'autres portes vers la science-fiction. Ah ok. Bah pareil, moi je suis pas trop SF. Je suis beaucoup plus heroic fantasy. Même si j'ai des séries que j'aime bien en SF, mais bon, c'est pas mon univers préféré. Après, je les avais fait à l'époque. J'avais fait le 1 et le 2 à l'époque. Mais je crois que j'étais trop petit, je comprenais rien du tout à ce qui se passait, à l'histoire. Et j'avais pas du tout aimé Mass Effect 1 et 2. Du coup, maintenant, je l'ai refait avec un... Vu que je suis plus grand et que je comprends mieux un peu les trucs géopolitiques. Ça va, pour l'instant, j'aime bien le 1. Je trouve juste qu'il a un peu ma vieille dans son gameplay. Mais je sais que le 2 est beaucoup plus moderne. Du coup, j'attends de voir le 2. Pour me refaire un avis tout dessus. Et le 3, j'y ai jamais joué. Merde, mais qu'est-ce que je fais? Ah putain. Ah bah je suis mort. Il y a quasi grand gisement de thorium. Ok, si tu veux. Bon. Allez, maintenant allons à la quête. Là. Après, est-ce que tu sais, est-ce qu'ils sont longs les jeux ou pas? Du coup, je recommande la trilogie, j'ai fini le 2 hier. Ah, ok. Du coup, tu vas commencer le 3. Ouais, mais moi, clairement, moi, je vais faire la trilogie, hein. Ça, c'est sûr. Pour vraiment me faire mon avis dessus. Après là je sais pas du tout où est-ce que j'en suis, si je suis loin ou pas, si j'ai bientôt fini le jeu ou pas. Oh merde. Ah, il est là. T'as commencé direct par le 3. Non, pas du tout. Le 3, je l'ai jamais fait. J'ai commencé par le 1 vraiment à l'époque, en 2007. Du coup, j'étais vraiment très très jeune. Et après, j'avais fait le 2 parce que je savais que. Enfin, j'avais d'excellentes critiques. Et je sais pas, ça m'avait pas trop plu. Mais bon, là, maintenant que j'ai la trilogie. Et ben, je redonne sa chance, quoi. Parce que je sais que c'est une série culte, quand même. Oh putain, j'aime pas que je. Par contre, le maniement du Mako. Ah, ça, c'est une catastrophe, ça. Allez, c'est parti. Aïe 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 aïe. Il en reste un. Voilà.
Nickel. Bon, y a rien ici. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Oh là là. Merde. Ah! Ah putain. Ah putain. Ah celui-là il est chaud. Voilà. Hurricane 8. Oh punaise, là il y a des bons trucs, la fusil de précision 8. Décharger la preuve. Voilà, je pense que là on a fini. Merde. Mais c'est pas possible. Oh là là, il est chaud celui-là. Ah voilà. Allez. Putain, le maniement de ce truc là c'est un peu de la merde hein. On va pas se mentir. Alors, scanner, c'est... Ah, bon, là, on a les trucs. Mode de munition 8. Parfait. Ok. Allez, je pense qu'on peut y aller. On a découvert... ce qu'on avait à découvrir. Il y a quoi, ici? Ah, oh, putain, encore du décryptage. Merde. Ok, allez, on se casse. On va retourner en Normandie. J'ai pas fini là. Putain, mais ça aussi on sait jamais quand est-ce que si le truc est fini ou pas. Alors aller dans la salle de l'ambassade de Presidium. Là, oh pff, ouais, je vais plus à la citadelle, hein, ça me saoule. On va aller au Normandie. Voilà. Alors, c'est quoi la suite? Carte. Non, pas carte. Journal. Alors, on a deux trucs. Virmine, on va faire ça. Virmine détient des informations sur Saren. Rien n'est certain, mais le conseil pense que l'équipe est peut-être en danger. Saren est à la recherche du canal, un antique artefact ayant surécueil. Sur les protéines, la vision pris dans votre esprit. Porte encore que le canal est une arme capable d'exterminer la ville. Il faut arrêter sa reine. Allez, on va faire ça. Trouver le canal. Vous devez explorer Féroce, Noveria, le secteur Artemisto et Virmin afin de remonter jusqu'à la canal avant sa reine. Oh punaise, attends, j'ai rien compris. Vous devez explorer Féroce, Noveria, Artemisto. Ah oui, mais du coup, il faut faire ça en fait. Virmir pour y rencontrer l'équipe de la reine. Virmir. Ouais, ok, d'accord. Il faut juste que je fasse ça et après je peux faire course contre la montre. Alors, Virmir. Virmir, c'est là.
Ok. Comme d'hab, on va prendre ça. Non, pas elle. Pas elle. Commandant, je capte un signal. Ça doit être pour notre équipe d'infiltration galarienne. Visez un peu ces tours de défense. Larguez le Mako. On fonce dans le tas et on s'en charge. Je vais vous faire passer sous leur radar, commandant. Bon, on va commencer un peu et après on va s'arrêter. On va le faire, ouais, 15 minutes. On a le champ libre, commandant. Restez hors de portée et continuez les manœuvres d'évitement jusqu'à ce que j'aie éliminé ces tours antiaériennes. Je connais la procédure. Je vous retrouve au camp quand les tours seront HS. Oh punaise, terminé. Je crois que c'est là où il y aura le truc avec Vrex. Ça me dit quelque chose, ça. XP. Ah c'est bon, ils sont gentils, ils font rien. La vache. Merde. Bon bah prends-le. On est pas mal, on est pas mal. C'est bon. Ok. Oui, pas mal. Parfait.
avis, là, il y a des trucs à récupérer. À mon avis, là, il y a des trucs à récupérer, là. On va y aller. Il y en a encore. Ah putain, il y a eux. Voilà, parfait. Armure, compétences insuffisantes. Ah ! Décryptage, compétences. Attends, décryptage. C'est qui a décryptage ? Ah bah lui, décryptage, voilà. Ah bah voilà. Sabotage supérieur. Voilà. Je pense que là c'est bon, voilà. Ouf, heureusement qu'il y a lui. Allez, on est parti. Parfait. Banshee 7. Allez, on continue. Est-ce qu'on peut sauter? Non, on peut pas sauter là. Allez, on est y part. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Mais putain. Quelle merde. Voilà. Alors, ah bah on est bientôt arrivé. Il sent rien là ou quoi? Merde. J'ai trop tiré. Quand tu veux, tu meurs, hein. Voilà. Je crois qu'il y en a un deuxième. Il est là. Allez, 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 allez. Nickel. Et niveau supérieur, parfait. Alors, je crois qu'on devait aller par là. Attends. Ah non, 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 on était bien dans la bonne direction en fait. Allez, tourne. Ouais, c'était bien par là. Oula, oula, oula. Ok, neutraliser leur artillerie. Boum. Je
j'imagine qu'il faut ouvrir la porte. Il doit y avoir un moyen de neutraliser ce canon. Oula. Ça dégage. Voilà, nickel. Oh, parfait. Oh, il en reste un. Proche de la base galarienne. Terminé. J'attends votre signal, commandant Shepard. Ah, merci à toi, Christo, pour ton follow. Merci beaucoup. Ah merde, mais attends, là j'ai une quête. Je dois faire quoi? Ah oui, mais attends, c'est lui, je crois. Non? Lui? Ah voilà. Merci beaucoup. Ok, on a ouvert les portes. Bon, désolé, mais je vais bientôt y aller. Merci pour ton follow. Mais commence à se faire tard là. J'attends juste d'être dans un bâtiment, que ça se garde et on s'arrêtera là. Et on continuera demain, par contre. Ah, le Normandie. Attention, c'est bon, on l'a évité. Nickel, tout ça, nickel. Bon, à mon avis, il y en a plein là-dedans. Allez, go. Oh, c'est pas vrai, ils se planquent tous. C'est bon, nickel. Et de 1 et de 2. Parfait. Alors, c'était le dernier canon. La voie devrait être dégagée à présent. Alors attention. Ouhou. Alors du 8, pistolet 8. Là on commence à avoir des bonnes armes là. Et on continue. Merde. Bon, est-ce que c'est encore loin là? Ah non, on y est presque. Champ galérien. On y est presque. J'ai pas l'impression qu'il y a des ennemis. Le Normandie s'est posé dans la base, mais on dirait qu'on est cloué au sol. Le capitaine Galarien vous expliquera tout à votre arrivée. Ok. Mais je crois que c'est là où il y a le dilemme avec Vrex, je crois. Hein. Si je me souviens bien. Parce que ça me parle là.
Ça, ça me parle là, une planète tropicale comme ça. On verra. Et maintenant, on fait quoi? Ouais, ouais, c'est sûr, c'est là. Vous ne bougez pas tant qu'on n'a pas de plan. Quelle est la situation? Vous le responsable ici? Quelle est la situation? Je suis le capitaine Kira, unité spéciale du 3e régiment d'infiltration. Vous et vos hommes, vous débarquez en plein milieu d'une zone d'opération. Vous avez alerté tous les canons anti-aériens à 15 km à la ronde. Que vous plaisantez? Manquez plus que ça. Et maintenant? On reste en position jusqu'à l'arrivée des renforts demandés au conseil. C'est nous les renforts? Quoi? C'est tout? C'est toute une flotte que j'avais demandé. Lol. Qu'est-ce qu'il nous veut lui? Va falloir vous en contenter. La transmission était incompréhensible. On m'a envoyé enquêter. C'est justement ce que nous sommes censés faire ici. Et cette enquête m'a déjà coûté la moitié de mes hommes. Qu'avez-vous découvert? La base d'opération de Saren. Il a établi un centre de recherche ici. Mais l'installation est lourdement fortifiée et le périmètre grouille de guettes. Saren est là? Vous l'avez vu? Non, mais ces guettes sont partout. Et les communications que nous avons interceptées semblent confirmer sa présence. Ce centre lui appartient. Aucun doute là-dessus. Qu'est-ce que Saren prépare? À ce qu'il semble, il utilise ce centre pour créer une armée de Krogan. Ah ouais, c'est comment ça. C'est possible. Apparemment, Saren a découvert un remède au génophage. Un remède au génophage? Quel intérêt? Le génophage a mis un terme au problème Krogan. Après la rébellion, nous avons inoculé le génophage à la population Krogan pour l'empêcher de se multiplier. Sans lui, plus rien n'empêchera les Krogan de déferler sur la galaxie. Et ces Krogan-là sont à la botte de Saren. Comme si les guettes ne suffisaient pas. Avec une armée Krogan, Saren serait quasiment invincible. Absolument. Nous devons tout faire pour détruire ce centre et les secrets qu'il renferme. Le détruire? Hors de question. Mon peuple est au bord de l'extinction. Ce remède pourrait le sauver. Si le remède quitte cette planète, rien ne pourra plus arrêter les Krogan. Je refuse de répéter les erreurs du passé. Nous ne sommes pas une erreur. J'espère qu'il ne posera pas de problème. On a déjà bien assez de Krogan sur le dos. Il se tiendra à carreau. Comptez sur moi. Ravi de l'entendre, commandant. Mes hommes et moi devons revoir notre plan d'attaque. Laissez-nous un peu de temps, d'accord? Allez-y, capitaine. Je repasserai plus tard. Ce ne sera pas long, commandant. Au fait, si vous avez besoin de matériel, allez voir le commandant Rentola. Il est dans une des tentes à côté. On dirait que les choses se compliquent sérieusement. Ouais. Mais c'est surtout Vrex qui m'inquiète. À mon avis, il est à deux doigts de disjoncter. Vous pensez que je devrais aller lui parler? Ouais, on va lui parler. Ça pourrait le calmer, ou le faire exploser, au choix. Allez-y avec des pincettes. Je ferai attention. Mais tenez-vous prêt, juste au cas où. Pas besoin de me le dire. Et on va parler à Vrex. Et je crois que c'est là le moment difficile. Ouais, ouais. C'est là le moment décisif. On va essayer de pas se planter. C'est pas possible, Shepard. S'il y a un remède au génophage, on ne peut pas le détruire. Je comprends votre colère. Mais nous savons tous deux qui est notre ennemi. C'est à Saren que vous demanderez des comptes. C'est pourtant Saren qui a créé un remède contre le génophage. Et vous voulez anéantir l'espoir de mon peuple. Il va falloir m'aider, Shepard. Au point où j'en suis, mes amis ne sont plus si différents de mes ennemis. Ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas un remède, c'est une arme. Et si Saren parvient à l'utiliser, ce n'est pas à vous que ça profitera, ni à nous. Mon peuple est déjà condamné. À ce stade, la prudence est un luxe. Si c'est tout ce que vous avez à dire pour justifier la destruction des espoirs de mon peuple, autant en finir tout de suite. Oula. Je ne vous laisserai pas mettre la mission en danger. Je vois. Après tout ce temps, c'est comme ça que vous me considérez. Comment pouvez-vous ne pas voir ce que ça signifie pour les Krogan? Vous ne détruirez pas cette base. Je ne vous laisserai pas faire. Oh punaise. Ce n'est pas votre peuple. Ces Krogan sont les esclaves de Saren. Ce sont des pantins, des outils dont il se débarrassera à la première occasion. C'est ce que vous voulez pour votre peuple? Charismatique. Ah, je crois qu'on a réussi. Non. Nous avons été les instruments du conseil autrefois.
et pour nous remercier d'avoir éradiqué les Rachni, ils nous ont stérilisés. Je ne pense pas que Saren fasse mieux. Très bien, Shepard. Oh, on l'a échappé belle, vous on a réussi. Un point. Je n'aime pas ça, mais je vous fais suffisamment confiance pour vous suivre. Juste une chose, quand on trouvera Saren, je veux sa tête. Pas de soucis, t'auras sa tête. Et ben voilà, magnifique! On a réussi! Attends, on va lui parler. S'il faut y aller, autant pas perdre de temps. Bon, écoutez, on va se laisser là. Ouais, on va se laisser là, sur cette jolie... Sur la tête de Vrex, parce qu'on vient de sauver, parce que... Je crois que quand j'avais fait à l'époque, bah j'avais pas réussi à le convaincre et on l'a dû le tuer. Du coup, on va faire un gros plan sur sa tête. Et on va se laisser sur lui. Allez, on va un peu augmenter. Alors, un point. Soldat d'élite. Allez, bim. Ça, c'est quoi? Immunité. Ok. Mais je l'ai pas déjà, immunité? Bah si, là. Il me donne une autre immunité. Ah, ok. Ah, ouais. Ok, bon, on va continuer sur ça. Ok. Sauvegarder. Le Normandie. On a combien? On a combien de, d'heures, là? 11 heures. 12 heures, on va dire. Ok. Eh bien, merci de m'avoir regardé. Merci à toi, Christo, pour ton follow. Ça me fait très plaisir. Du coup, on se donne rendez-vous demain pour la suite de Mass Effect 1. Allez, bonne soirée à tous et à demain. Ciao, ciao.